Hello, Mr. Kotloff, Serhii Kotloff. Did you have trouble getting in? Hello, Dr. Kotloff, did you have trouble getting in? I need to get some feedback. Dr. Kotloff, I need to get some feedback. Because for some reason, some people can't get in. Do you have good bandwidth? Serhii Kotloff, do you have good bandwidth or? Could you please correspond? I need to get some feedback on what's going on.
I guess we'll get by without it. Yeah, this is better. Oh, microphone problem, Sergey? Okay. Are you still in? I guess you're not. Because you don't have to speak. Orlando and Joseph, I don't know why I can't get you in. Hello, Dr. Abadi. How are you? Thank you so much for this invitation and the great job that you are doing for the neurosurgery. Well, I'm glad you get in. So I just use the same link for everybody. Okay. The panelists and the presenters. So. Okay, no problem. So we'll be about. I would like to, just to check if I can share my. Yeah, go ahead. Go ahead. We have time. Check. Please. You're in Marrakesh? No, Rabat. Oh, Rabat? Yes. Okay. Okay.
Okay, I will have there you go. Yep, there you go. Make it bigger. Okay. Mm-hmm. It's okay. Yes, perfect. Perfect. Do you have any videos? Yes, I have some videos also. Oh, do you have sound in the video? Do you have sound in the video or no? No sound. Okay. Okay. I'll just try if it's yeah, let's try it. Let's rehearse it. Okay, that's it's working. Yep, it's working. You have good bandwidth. You have a good internet connection there, right? Yeah, thank you. Yeah, you can. Where you is can... our friend Christian? Christian, I'm sure he's coming. Okay. Would be a few minutes. Okay. It's okay. You speak at a lot of conferences. What? Sorry? You speak at a lot of conferences. Yes. You know, because I organize also many, many symposium or courses, and I'm running for a position of the WFNS, president-elect WFNS. Oh, so, okay. There's also one reason I can say why I am working hard to achieve this educational or surgical education during this harder time. And but you are one of the pioneer in this type of education. I mean, yeah. But we have a tsunami after the pandemic. We have a tsunami of virtual meetings and etc. Yeah. But I remember we had a discussion one day, I think before 1 or 2 years before the pandemic situation, and we planned to have a webinar together. But you know, we are always. Working by in the hospital, university, and we travel a lot, but now we are missing traveling. Now the pandemic was the first time that medicine really took a look at video platforms before, because as you said, we did. Hello, Takashi, how you doing? Hey, good evening. So it's about midnight, so I'm still. You're still rolling. I'm lucky to meet Dr. Takashi. Are you going to do any translating? No, you don't have to do any translating. If you don't. I cannot. You don't have to. I understand French, so only to listen. This is, Dr. Takashi. Dr. Takashi translates into Japanese. And he's a neurosurgeon because, as you know, the translation, it would be difficult for a typical translator with neurosurgery terms. Okay. But he knows the terms as well. Hello, Saeed, as well as Japanese. Hello. Hi, Saeed. Hi, how are you? Aslamo. Aslamo. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Bien, bien. So John, you speak a little bit French or not? No, none. I tried. How do you do it? You know, I tried. There is translation today or not? Not translation. Saeed is here. He can translate. Well, you know, I should have thought of that. You know, Saeed, maybe we should do that in the future. Yes. But with Adrian. Adrian is not here. My second. Okay. Adrian is a resident on. It's a. Neurosurgeon and at
I'm tired. Yes, I can imagine. You just come back to Paris, and he talk Spanish, Japanese, Chinese, and other language. Wow. But he's not here, not yet. Not yet. Yes. Yeah, and in the future, computers will translate everything. Yes. Yes, really. I don't see Christian encore. Oui, donc je vais lui envoyer un message. Because it's not clear on the flyer. There is link, but when you click on it doesn't work. If this is why I call you and I ask you to send me a link. Maybe he had a problem with the same problem. Okay, yes. I call him. Yeah, I think you have. There's Carl in his usual spot. Hello, Carl. Hello. You always have the same place. Yeah. Sorry, could you repeat that? You always have the same place. Yeah, yes. Absolutely. It's my desk, actually. C'est pas la strat? No, du tout. Ah, bah, super. Du tout. J'entends de vous revoir. Bonsoir. Merci, super. Bonsoir. Carl est un chirurgien allié de la Réunion. Voilà. Avec moi. Enchanté. Oui, ouais, moi aussi. Saïd m'a toujours parlé de vous, en bien oui. Sûr. Ben, écoutez, moi, je suis une francophile, francophone, tout ce que vous voulez, parce que j'ai longtemps servi dans la société de langue française. Et incroyable, hein, le hasard fait que. Aujourd'hui, on est les deux speakers. Oui. Avec Christian, on a été ensemble dans les bureaux exécutifs de la Société de langue française pendant longtemps. Et ensuite, on s'est présenté à la présidence en même temps. Mais ça n'a jamais gâché notre amitié. C'est ça qui est important. On est resté avec l'esprit, on était concurrents, mais on a gardé l'esprit. Voilà, c'est ce qu'il faut, hein. c'est la bonne compétition. Absolument. Alors, tu as son numéro de téléphone, Saïd? Normalement, je l'ai ajouté hier, mais donc je ne l'ai plus. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, moi aussi, je l'ai. Je vais juste voir mon courrier. Christian. Is Adrian? Adrian's coming. Adrian Carl, maybe it's a different Adrian. Yeah, I don't have it. Yeah. It's a different Adrian, right, Saïd? Adrian Carl. Hello, hi. Adrien, salut. Adrien, ça va? Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Ça va. Tu n'es pas d'astreinte? Non. C'est à l'extérieur, pas beaucoup de batterie, mais. D'accord. Bon. Mais écoute, tu es loin? Non. Bah écoute, le temps que tu arrives chez toi, puis après. Ça marche. Allez. Ok. À tout à l'heure. Ciao. Oups. 3 minutes, Saïd. I'm looking for the number of... Je l'ai, je suis en train de l'appeler. Oui, ok. Je l'appelle, là, mais... Ouais. Il ne répond pas. D'accord. Je vais lui envoyer un message, un WhatsApp. Hein. Là, il répond pas, mais je vais lui envoyer un WhatsApp. Il est sur WhatsApp, chez toi? Oui. Ah bon, donc j'avais un problème parce que moi je ne le trouvais pas sur WhatsApp. Je te l'envoie si tu veux plus tard. Mais là je vais lui D'accord, envoyer. D'accord, j'ai essayé de chercher le numéro de téléphone qu'il m'a envoyé. C'est plus 32 486 12. Bon, ça a coupé. Attendez, je rappelle. Je vais voir. Attends 12, deux secondes. 16. Bon, je vais lui dire qu'on l'attend, mais vous de voir. Question. Alors, Raftopoulos, donc il m'a envoyé un mot. Le lien. D'accord.
C'est ça. Alors, si tu peux lui envoyer le même lien, s'il te plaît. Donc, il y a des problèmes. D'accord, je vais le faire. Alors, le lien que tu m'as envoyé, là, il y a un petit moment. Parce que finalement, moi, je suis rentrée, mon assistant, il est très fort en informatique. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Et il m'a envoyé un lien. Fed, tu connais Fed Derkaoui, mon oui, bien sûr, oui. Donc, il m'a envoyé le lien juste 5 minutes avant que tu m'envoies le... Ok, c'est fait. C'est envoyé. C'est envoyé et il est sur son WhatsApp. Hein, je le vois actif. Quoi. Enfin, pas actif, c'est-à-dire qu'il l'a vu aujourd'hui à 15h59, donc c'est-à-dire maintenant. Quoi. D'accord. Au moins d'une heure. Alors, donc je cherche juste le dernier message qu'il m'a envoyé, un numéro de téléphone aussi. Bonjour. Salut. Bonjour, Fanny. Comment ça va? Ben voilà, et il a longue vie, je viens de parler de lui, donc voilà. C'est... Bonjour. Ça a été ta journée? Pas trop dur? Ça va très bien, madame. Et vous? Ça va? Any luck with Christian, Saïd? Hi, Bennett. Hi, Dr. Bennett. He has a problem of with the connection. Yes. Oh, connection? Okay. Is he going to be the first speaker or second? He is the first speaker. This is why I would like to maybe if he had the problem, I can start and he can go on second if you want. Okay. Yes. Well, Saeed's the boss. Whatever he wants to do, whatever you want to do, Saeed. Here's the WhatsApp. All right. That's good. Good. We will wait 1 or 2 minutes before. Saïd, c'est à toi de décider. Tu nous dis, tu veux que j'y aille en premier, yeah, sure. Tu se branches ou. Sure, we can wait a few minutes. No problem. On peut pas attendre une minute. There's no just, hurry. What's up? Pourtant, Bruxelles, il y a un très bon réseau WhatsApp, enfin réseau Internet, quoi. Je vois qu'il est en ligne là, il est en ligne. Il n'est pas avec nous, il est en ligne sur son WhatsApp. Mais je pense qu'il n'arrive pas à se connecter. Alors. Allô? D'accord. Allô, bonjour. Oui, vous avez reçu le lien que Najia a envoyé pour se connecter. Je l'ai envoyé sur son WhatsApp. Il l'a reçu. D'accord. Donc je. D'accord. Ok. Donc je fais. Zoom sur Zoom. D'accord, super. Donc je le fais de suite. Je la fais de suite. À tout de suite. Le lien était sur place. Donc, il y a un problème. Donc s'il n'est pas un peu plus que je règle le problème. Est-ce... Et qu'il a, il n'a pas de connexion, c'est ça? Non, il a la connexion, mais comme il ne peut pas présenter à partir de son portable. Oh. Donc, il le fait sur son ordinateur. Il veut le lien par ordinateur. Pourtant, normalement, ça marche très bien, ce truc. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il peut, en fait, dans le message qu'on envoie, il y a toujours un lien non, sur mais la il peut page. Il peut envoyer de son WhatsApp à son ordi. Ben, je vais le faire comme ça. Donc, il a... Alors, copier, il fait copier. Moi, je vais lui envoyer par mail. Transférer en. Raftopoulos. Non, donc il n'a pas enregistré.
So what are we saying, Saeed? Just wait, wait just a minute. Okay. All right. No, yeah, it's okay. No problem. Well. Voilà, ce que tombe là. Najia? Oui, je suis là, je suis là. Est-ce que... Je lui ai envoyé. Hein? Tu l'as envoyé? Oui. Voilà, ça a marché. Bonjour, parfait. On arrive. C'est toujours stressant, hein? Donc la dernière fois on l'a eu avec Roche, Philippe Pierre Hugues Roche. Même c'était très très chaud. Il faut dire aussi que c'est une question d'habitude. Après, une fois qu'on s'habitue, les premiers. Non, mais il était habitué, donc il a fait plein de zooms avec ça. Ah oui, lui, Philippe, il a. Mais pas... Oui. Et. Moi, je pense qu'on ne pas perdre de temps, si tu permets. Oui. En switch, donc je démarre le temps que lui il arrive à d'accord. Dave, si tu veux, hein, parce que pour ne d'accord. pas attendre, là on est déjà. J'espère qu'il n'avait rien prévu de après 6 minutes. J'y vais. Deux secondes juste. Bien sûr. Parce que donc, s'il a prévu quelque chose après lui, je ne sais pas. On attend 5 minutes. Parce qu'il ne me répond pas sur WhatsApp, c'est ça qui est bizarre. Il l'a lu. Oui, donc il était en train de, quand tu l'as envoyé, donc j'étais avec lui au téléphone. D'accord. Parce que là, il l'a lu, il est en ligne. Mais... Je lui ai envoyé le lien sur maintenant sur son. Il ne va pas tarder. Mon angoisse, c'est ça, c'est les. L'angoisse, pas trop. Tu viens de faire je ne sais pas combien d'heures de vol, donc ça va. Hein. Pas besoin de toi. Et bon, ben, ça va, tu as quand même 2 speakers aujourd'hui, donc ça peut toujours. Oui, oui, oui. C'est quand tu n'as qu'un seul speaker que c'est vraiment problématique. C'est vrai, tout à fait, effectivement, donc tu as raison. Bon. Écoute, donc je pense qu'on va passer le temps qu'il se connecte. D'accord. À ta présentation. Ok, ben, je vais partager. Je vais revenir quand même. Ok, je partage. Je vais revenir. J'avais essayé tout à l'heure de voir si mes diapos marchaient, surtout les diapos de film. Donc voilà, je suis revenue sur ma première diapositive. Quand tu veux. Ok, donc juste, je prépare mon petit document. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres zooms?
John? Yes. We can start. Okay. I'll just introduce you and you go where you want to go. Do what you want to do, okay? Okay, Dr. You can do a presentation in English as usually. Okay, whatever you want. Okay, I'm going to get you off the Dr. Rabati. I'm going to get you off the screen share, okay? So I can start. Let me get you off there. Okay, you ready? Okay, yes. Here we go. Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning. Good morning. This is good afternoon. Dr. John Bennett, broadcasting from Miami Beach, home of Neurosurgical TV. We have the pleasure of having a French neurosurgeon Grand Rounds, and we have a neurosurgeon from Reunion, an island off the coast of Africa, that's moderating, and I'm going to turn it over to Saeed. And from here on, it's French or it's wherever he wants to go. Welcome, Saeed. Thank you, John. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de French Neurosurgery Go Around. Merci à tous les présents, à toutes les personnes qui sont présentes sur YouTube et sur notre chaîne. Nous avons aujourd'hui l'honneur donc, d'avoir deux professeurs, le professeur Najia El Abadi et le professeur Christian Raftopoulos. Le professeur Najia El Abadi va traiter la chirurgie des méningiomes de l'étage antérieur. Le professeur Christian Raftopoulos va nous traiter l'anatomie et la chirurgie, et le traitement chirurgical des anévrismes de l'artère sylvienne. On commence par le professeur El Abadi. Bienvenue, professeur Abadi. Je commence par une petite introduction. Professeur Abadi a fait est neurochirurgien depuis 1990. Chef de département de neurochirurgie à Ibn Sina Hôpital de Rabat. Actuellement, elle est responsable du département de neurochirurgie de l'Université internationale Cheikh Zayed à Rabat, ainsi qu'elle est chef de département de chirurgie à Abul Qassis University, Université d'Abul Qassis à Rabat également. Elle a été assistante secrétaire en 2005 lors de la World Congress of Neurosurgery à Marrakech. Également, elle était chairman de la World Federation of Neurosurgery, Women in Neurosurgery Committee de 2013 à 2017. Elle est ancienne présidente également de la Société marocaine de neurochirurgie, assistante trésorière de la WFNS de 2017 à 2019. Elle est également présidente de la Panarab, Société Panarab de neurochirurgie et fondatrice et ancienne présidente de l'Association méditerranéenne de neurologie chirurgicale. Elle est directeur de programme de stéréotaxie à Rabat. Elle est engagée dans l'enseignement, notamment l'enseignement donc, de jeunes étudiants africains dans le programme 100 for Africa. Également, elle enseigne au niveau du WFNS Rabat Reference Center for Training of African Young Neurosurgeon. Elle est intéressée par la chirurgie vasculaire, spécialement au niveau du tronc cérébral, donc la base, la chirurgie stéréotactique, taxique, la chirurgie fonctionnelle et la chirurgie du rachis.
du rachis. Elle est auteure de plus de 100 articles, publications internationales, nationales, ainsi que elle a participé à des chapitres dans des bouquins de neurochirurgie. Elle est également éditrice du journal marocain, du journal de neurochirurgie, journal marocain de neurochirurgie. Bienvenue, professeur El Abadi, et à vous la parole. Merci beaucoup, docteur Saïd, pour cette élogieuse introduction. Probablement pas autant mérité, mais on va dire merci quand même pour tout ce que vous avez, les gentils mots que vous avez cités aujourd'hui à mon égard. Thank you, John, again, for giving us this opportunity to share our experience with around the world. And I told you before beginning the webinar that you are the pioneer of this way of education before the pandemic situation, or we have a tsunami of webinars. Okay. So. C'est avec grand plaisir aujourd'hui, vraiment un immense plaisir que je vais faire cette conférence parce que je me sens encore plus à l'aise dans ma langue, on va dire maternelle presque, puisque c'est la première langue, et la langue française qui est une très très belle langue. Le hasard a fait qu'aujourd'hui le deuxième speaker et que bon que je précède pour des raisons techniques. On a travaillé beaucoup ensemble dans le bureau, ce qu'on appelle le CDS, le comité directeur scientifique de la Société de langue française. Et on a même été candidats tous les deux pour Alors, il y a Christian qui voit toujours pas reçu, parce que je vois en même temps mes WhatsApp. Bon, en tous les cas, il va nous rejoindre, j'en suis certaine. Alors aujourd'hui, quand Si Saïd m'a demandé de parler d'un sujet, j'ai voulu partager avec vous un sujet que je chéris particulièrement. Alors, partage de l'écran, est-ce que c'est partagé? C'est bon là? Est-ce que vous avez l'image? Perfect. Ok. Donc aujourd'hui, je vais parler en fait de certaines leçons que j'ai apprises en tous les cas entre mes pratiquement plus de 30 années aujourd'hui de chirurgie de méningiome de façon générale, mais on va parler particulièrement des chirurgies de l'étage antérieur de la base du crâne. Donc sur le flyer, il n'y avait pas peut-être précisé base du crâne, mais bon, quand on parle étage antérieur, on pense forcément bien entendu à la base du crâne. Donc c'est une chirurgie, comme vous le savez, c'est une chirurgie de challenge, puisque c'est une zone qui est richement vascularisée avec tout la partie antérieure du polygone de Willis, avec un certain nombre de nerfs, de structures nerveuses d'une hautement fonctionnelle, notamment la tige pituitaire, la glande hypophysaire, l'hypothalamus, etc. Donc, c'est une chirurgie qui demande quand même une certaine expérience et une certaine dextérité pour diminuer, dans un premier temps, la mortalité qui était dans les débuts du siècle du temps du Cushing avoisinant les 80%, et qu'aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure qu'on est dans les 3% à peu près. Et aujourd'hui, quand on parle base du crâne, on parle bien évidemment mortalité qui reste aujourd'hui très maîtrisable, mais on parle également morbidité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment préserver la fonction le maximum possible. Alors, quelques mots de façon rapide sur les généralités sur les méningiomes de façon globale. C'est des tumeurs qui représentent quand même 20%, c'est le 1/5 des tumeurs de tous les processus intracrâniens. Ils sont localisés dans cette région de l'étage antérieur qu'on va tout de suite après localiser sur le plan anatomique. À peu près 10% de tous les méningiomes sont localisés dans cet étage antérieur de la base du crâne. Ils sont souvent diagnostiqués à des tailles extrêmes, pour ne pas dire très très importantes, surtout encore chez nous et en Afrique. Et en général, c'est entre 4 à 5 cm, de 4 jusqu'à 9 cm,
plus pour les olfactifs, et vous comprenez aisément pourquoi, puisque la symptomatologie n'est vraiment évidente que quand on commence à avoir des troubles visuels ou un syndrome d'hypertension intracrânienne, puisque la région olfactive, les patients font très peu attention à l'olfaction. Bien évidemment, ce sont des tumeurs qui sont bénignes, mais on va dire qu'ils récidivent, et surtout dans cette zone, particulièrement de l'étage antérieur, de façon de l'étage de la base du crâne et de l'étage antérieur de la base du crâne, ils sont quand même encore un peu plus récidivantes qu'ailleurs, pour les raisons qu'on comprend parfaitement, c'est que il est très rare de faire l'exérèse de la base d'implantation, c'est-à-dire de la dure-mère à partir de laquelle la tumeur est née. On fait des exérèses Simpson 2 avec une coagulation de la base d'implantation. Donc, il y a quand même un taux de récidive qui est un peu plus important qu'ailleurs. Je vais illustrer un petit peu ma conférence aujourd'hui à partir de mon expérience qui est aujourd'hui au-delà de 600, même plus que 600 méningiomes, dans 174 ou même plus actuellement, puisque j'ai arrêté les statistiques en 2000 de méningiomes uniquement localisé au niveau de l'étage antérieur de la base du crâne. Donc, ils n'ont rien de particulier dans cette localisation par rapport aux autres localisations. C'est la femme, environ en moyenne de 51 ans. Et quand ça atteint le sexe masculin, on sait d'ores et déjà que ça reste quand même, le pronostic est un petit peu plus réservé, il y a beaucoup plus de récidives, il y a beaucoup plus de type anaplasique que chez la femme. Alors, la première classification, et qui reste toujours de mise, c'est celle de Cushing. On va voir rapidement tout de suite deux ou trois, mais sans trop les détailler. Mais cette classification, elle va se baser surtout sur l'insertion durale, l'insertion du méningiome sur la dure-mère. Donc, comme vous le voyez ici sur cette image, on a d'abord les méningiomes olfactifs ou ethmoïdaux qui s'insèrent sur l'apophyse cristagalli à ce niveau-là. Ensuite, on a les méningiomes du jugum, la partie du planum sphénoïdal. Et puis, on a une autre catégorie qui est celle du tubercule de la selle ou le diaphragme de la selle. Je les ai mis ensemble parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a énormément de difficultés pour faire la part des choses entre les deux, parce que c'est une zone qui est très, très limitée. Et donc, parfois, il est difficile de faire en préopératoire, en tous les cas, de prédire l'insertion exacte. Or, on sait que c'est très important par rapport à l'exérèse totale et par rapport aussi au management des différents éléments qui se trouvent à ce niveau-là. Et en particulier, j'insiste sur la tige pituitaire. On a également dans cette catégorie, en dehors de la ligne médiane, sur la partie latérale, donc les tumeurs du toit de l'orbite, enfin les localisations sur la dure-mère du toit de l'orbite. Et puis, j'ai mis la petite aile du sphénoïde, PS, en dernier, puisque à l'époque de Cushing, ils ne les avaient pas inclus dans cette classification d'étage antérieur, alors qu'aujourd'hui, il y a certaines variétés de la petite aile du sphénoïde, c'est-à-dire ceux qui sont la variété, ce qu'on appelle en francophonie, la variété interne de la petite aile du sphénoïde, qui est en fait sur la clinoïde. Et on verra tout de suite que c'est important de savoir même l'insertion par rapport à la clinoïde et son importance au moment de l'exérèse. Et donc, voici juste qu'est-ce qui se passe avec moi. Voilà. Alors, voici plusieurs classifications. J'en ai gardé une récente que j'ai empruntée à une amie, professeure Isabelle Germano du Centre Mancinei de New York. Et vous voyez que finalement, c'est à peu près la même chose. Les ethmoïdaux olfactifs qui sont là à ce niveau, au niveau de la cristagalli, le planum méningium sphénoïdal, au niveau de tubercule de la diaphragme, tubercule et diaphragme cellaire,
D'accord. Et ensuite, les méningiomes sphénoïdaux avec la variété interne sur le tubercule de la selle et la variété moyenne, si vous voulez, la variété périonale ou latérale ou externe, qu'on appelle de façon générale. Alors, on va commencer et j'ai fait exprès pour économiser un petit peu sur le temps et ne pas être un peu trop redondante, de vous parler, de passer en revue très, très rapidement les différents types de localisation de ces méningiomes au niveau de l'étage antérieur et aussi en même temps montrant un petit peu leur imagerie, comme ça pour gagner un peu plus de temps pour parler ensuite de quelles sont les leçons à apprendre quant au traitement chirurgical ou en tout cas le traitement de façon globale de ces méningiomes. Alors, on va commencer bien sûr par les plus antérieurs, c'est-à-dire les méningiomes ethmoïdaux ou fronto-ethmoïdales ou alors on les appelle aussi olfactory growth meningioma. Et ils sont en général insérés sur l'apophyse cristagalli, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur le scanner à ce niveau-là, par exemple dans ce cas-là, peuvent être calcifiés, comme vous voyez sur ce scanner en fenêtre osseuse. D'accord. Alors, leur insertion, elle est souvent, comme on l'a dit, sur la lame criblée de l'ethmoïde, sur l'os de la lame criblée de l'ethmoïde. Leur extension se fait de façon souvent bilatérale, mais ils peuvent parfois être asymétriques, s'étendant vers une région plus que d'autres. Et vous voyez qu'ils sont souvent comme asymétriques, avec énormément d'œdèmes autour, avec et vous voyez quand même des limites de la tumeur par rapport au parenchyme sain, et donc c'est ce qui fait que le diagnostic est posé assez facilement puisqu'il s'agit d'une tumeur qui est extra-axiale, et on le voit très bien sur les différentes images. Elle refoule le parenchyme et d'ores et déjà à cette étape de l'imagerie actuellement assez bien évoluée, on peut déjà prédire plus ou moins les difficultés péropératoires au moment du clivage de la tumeur. S'il persiste par exemple comme ici, comme vous voyez ici, comme un fil arachnoïdien qui protège, si vous voulez, le cortex sous-jacent, ou alors comme ici, on voit qu'il y a vraiment pas de film arachnoïdien et que il y a même des petits bourgeons de tumeurs qui vont un peu infiltrer plus ou moins le parenchyme. Et alors en général, il y a souvent ces lésions quand ils sont au niveau de la base du crâne ou ailleurs, en tous les cas, ils sont associés à une hyperostose en regard. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de la base du crâne, on peut avoir cette hyperostose, mais on peut avoir également des lyses osseuses, comme vous voyez sur cette image-là, en fenêtre osseuse, la lyse de l'ethmoïde, avec une extension, vous voyez, de la tumeur dans la fosse nasale, à ce niveau-là, donc qui a dû à l'époque nécessiter une double voie d'abord, à la fois neurochirurgicale avec un ORL. Ça, c'est un de mes très, très anciens dossiers qui remonte aux années, je pense, 95-96. Et en fait, il représente quand même, j'oublie de le dire, 8% des méningiomes de l'étage antérieur de la base du crâne. La deuxième variété, c'est celle qui est aussi assez fréquente, moins fréquente que la précédente, c'est l'insertion du méningiome sur le jugum sphénoïdal. Et en général, anatomiquement, il est au niveau de la région médiane, donc juste en arrière des voies olfactives. Et souvent, il entraîne une compression de lobe frontal vers le haut. Il comprime les voies optiques en arrière. Et donc, la symptomatologie, vous pouvez facilement deviner, elle va dépendre bien évidemment de l'extension de ces différentes à ces différentes structures. Mais étant assez proche, je dirais, des voies visuelles,
on va avoir plus de problèmes visuels. Mais là, j'ai sorti un des anciens clichés qu'aujourd'hui, on a plus la chance d'avoir ce genre de cliché, puisqu'on d'emblée, on demande un scanner, ensuite on va aller au même voir, parfois même l'IRM d'emblée. Et vous voyez là, par exemple, c'était un cas de méningiome du jugum, et vous voyez le blystérie, c'est-à-dire l'hyperostose, aussi bien de la clinoïde antérieure que du planum, et le sinus sphénoïdal en bas qui est quasiment sa blystérine, ça veut dire qu'il est complètement rétréci. Et ça, en fait, ça correspond à ce cas-là. Et on voit ici, en général, c'est des tumeurs qui sont quand même, ils sont rarement en isosignal, ils sont souvent en léger hypersignal, prenant énormément le contraste. Et cette prise de contraste est un élément essentiel pour, bien sûr, la préparation du geste chirurgical et de l'agressivité aussi de la tumeur par rapport au parenchyme. Alors ici, vous voyez que c'est une tumeur qui est iso-intense, mais j'espère que vous voyez bien, j'ai mis une petite flèche pour voir que, elle, bien sûr, elle refoule le lobe frontal vers le haut, mais le chiasma en arrière, d'accord, avec la tige pituitaire. Et puis, la prise de contraste, vous voyez quand même qu'il est assez intense. Sur le scanner, il était très difficile. C'est une image, on ne sait pas à peu près, même en ayant fait, à l'époque, c'était difficile d'avoir des 3D, mais là, c'est plus simple avec l'IRM. Et dès qu'il y a, avec la prise de contraste, on voit que tout de suite après, on va faire la différence avec les différentes structures qui sont à côté. Là, voici un autre cas aussi de méningiome. Ils peuvent atteindre aussi des tailles qui sont quand même très, très importantes. Ils peuvent être également de la même façon entraînant un œdème extrêmement important. Ils sont très souvent médians, bilatéral, avec une extension médiane, rarement latéralisée. La troisième catégorie, j'ai mis à la fois tubercule de la selle et diaphragme de la selle. Pourquoi ? Parce que il est carrément, c'est pas usuel de faire la différence en préopératoire entre une insertion sur le tubercule de la selle ou sur le diaphragme de la selle, puisque comme je vous ai dit au départ, c'est une zone qui est extrêmement limitée et il est très difficile de faire la part des choses sur les examens, surtout sur l'IRM. Et c'est souvent des constatations préopératoires. Donc la pure insertion au niveau du diaphragme, sur le diaphragme, elle est vraiment rare. C'est souvent au niveau du tubercule de la selle. Donc, cette, l'importance, en fait, de pourquoi j'insiste sur le fait qu'on ait de l'insertion sur le diaphragme cellaire. Et on va voir, il y a une classification de Oussama El-Mofti tout à l'heure, quand je vais parler des méningiomes sphéno-orbitaires ou du tubercule latéralisé sur le tubercule de la selle. C'est en fait la position de la tige pituitaire en avant, en arrière par rapport à la tumeur, et c'est extrêmement important pour le geste chirurgical. Il est aussi important, comme vous le voyez ici par exemple chez ce patient, il était très difficile, on voit qu'il y a quand même un vaisseau en intratumoral, on voit qu'il y a une extension aussi dans le canal optique vers l'orbite avec une petite exophtalmie qui démarre. Vous voyez que tout le polygone de Willis, une bonne partie du polygone de Willis qui est déjà là-dedans et qu'on devine plus ou moins qu'on ne voit. Quand on voit sur les coupes sagittales, on voit parfaitement bien quand même ici j'ai du mal avec mon petit curseur, mais dès qu'il y a par exemple à ce niveau-là, on voit la tumeur qui est là, qui est iso-intense, mais on voit également ce qui est noir ici, c'est en fait l'hyperostose qui se voit ici sur le scanner. Et une fois cet IRM injecté, on voit parfaitement la ligne qui sépare la tumeur du diaphragme cellaire qui se trouve à ce niveau-là et la glande plus bas. Donc, l'insertion de la tumeur sur la dure mère
pour ce type de pour cette localisation, elle est rarement diagnostiquée sur les sur l'imagerie. C'est souvent un diagnostic péropératoire. Alors, c'est ce que je disais pour le diaphragme, et ça, c'est la classification de Oussama El Mefti. Elle est extrêmement importante et il va la classer encore à son tour en trois sous-types. Le type A, c'est-à-dire le premier qui est originaire, qui est en fait sur la partie supérieure et, du diaphragme, c'est l'air et en avant de la tige pituitaire. Donc, dans cette localisation, vous imaginez que les signes cliniques vont être surtout visuels, donc avec une perturbation du champ visuel. Le type B, qui est l'origine de l'insertion, se trouve là aussi sur la partie supérieure du diaphragme cellulaire, mais elle est postérieure à la tige pituitaire. Et dans ces cas-là, c'est souvent, là aussi, c'est des perturbations visuelles, mais également des éléments d'ordre d'hypopituitarisme ou hypothalamique qui peuvent apparaître parce qu'il y a une atteinte de la tige et donc une atteinte hypothalamique. Et enfin, le type C, où l'insertion, elle est vers le bas, elle est sur le diaphragme. C'est vraiment exceptionnel comme localisation. Et ça existe. D'ailleurs, ça pose énormément de problèmes de diagnostic différentiel avec les adénomes hypophysaires. Et donc, elle est à la partie inférieure du diaphragme cellulaire. Donc, souvent, il y a une atteinte chiasmatique avec une atteinte du champ visuel bitemporal, une myanopsie bitemporale, et surtout un hypopituitarisme, puisqu'il y a une compression de la glande hypophysaire et donc un panhypopituitarisme. Voilà. Donc, on va arriver à la dernière localisation dans cette étage antérieur qui a été rajoutée par les différentes classifications récentes, les 3 ou 4 dernières décennies. Alors, ce sont les méningiomes sphénoïdaux qu'on appelle également aussi une petite partie où on l'appelle sphéno-orbitaire. Alors, ils sont divisés en 3 sous-groupes. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle de façon commune en français la variété interne, c'est-à-dire c'est celle qui va vraiment être insérée sur la clinoïde antérieure. Et sur cette partie, sur cette variété interne, il est important Oussama El Mefti a fait un autre sous-groupe dans ce groupe qu'il le divise en 3 parties, c'est-à-dire la partie inférieure de la clinoïde, la partie supérolatérale de la clinoïde, ou alors carrément entre les deux, c'est-à-dire vers le canal optique. Et vous avez la variété moyenne qui, elle est vers l'extérieur du tubercule de la clinoïde antérieure, ou alors la ptérionale latérale ou la variété externe qu'on appelle en français de façon globale. Donc, vous voyez un petit peu les images dans la variété interne, comment ça démarre. Vous le voyez encore mieux sur ces coupes coronales. On voit très bien la clinoïde. Donc là, c'est une variété supérieure, supérolatérale, avec une extension vers le lobe frontal, temporal et vers la fosse temporale. Souvent, ça va vers la fosse temporale, ce qui est tout à fait normal. C'est des insertions sur la petite aile du sphénoïde. Vous voyez là aussi un autre type avec qui est un volumineux, mais dans une partie médiale. Vous voyez, la clinoïde, elle est là, et donc il est vraiment la carotide qui était dans la tumeur. Là aussi, c'est une variété externe, et on voit qu'on est quand même assez loin de la clinoïde. Vous voyez, en pré, en poste. Alors, les sphéno-orbitales. Alors, ça, c'est une variété très, très, très particulière. Et tout le monde, tous les neurochirurgiens savent que c'est le cauchemar, en fait, plus ou moins, du neurochirurgien, parce qu'on sait que
à partir du moment que le but ultime ou le traitement, le dogme du traitement du méningiome, c'est la résection totale dans ce type de méningiome, qui est à la fois charnu et osseux, il est souvent très très difficile ou même je dirais illusoire de faire une exérèse totale, absolue de toute la tumeur. Et donc là, je vous donne plusieurs, ils sont souvent intra-osseux, les limites ne sont pas très, très bien définies. Elles donnent une énorme hyperostose, comme vous le voyez par exemple ici, avec des exophtalmies importantes, des déformations. La tumeur elle s'étend comme à la façon d'un tapis, donc c'est vraiment les méningiomes, c'est des méningiomes en plaques qui sont difficiles, même si vous réalisez une exérèse qui vous semble macroscopiquement totale, il y a toujours des cellules méningiomateuses qui sont un peu lointaines, éloignées, la façon d'un tapis très fin. Elle, bien évidemment, elle touche la petite aile du sphénoïde, l'os de la petite aile du sphénoïde, l'orbite, la cavité orbitale, le toit de l'orbite surtout, mais même aussi la partie aussi bien latérale que le mur latéral, que le cadre orbitaire supérieur. Donc, comme vous le voyez ici sur cette image, on voit que tout l'orbite est pris et la petite aile aussi avec. Donc là aussi l'os il peut toucher, prendre également la clinoïde antérieure, la partie, comme j'ai dit, supraorbitale de la fissure, c'est-à-dire le canal au niveau presque à côté du canal optique, ou alors tout l'os sphénoïdal, voire même s'étendre vers les sinus de la cavité des sinus de la face, c'est-à-dire les sinus sphénoïdal et ethmoïdal, et les obstruer. Et donc, éliminant d'ores et déjà, si je peux me permettre de le dire, une des voies d'abord actuellement très à la mode, celle qui est la voie basse par voie endoscopique. Et sans oublier les cavernantes les méningiomes du sinus caverneux, qui aujourd'hui, selon la classification de professeur Mufti, est incluse dans cet étage antérieur. Et ce sont des tumeurs, comme on sait, qui démarrent à partir du sinus caverneux et qui peuvent ensuite s'étendre vers la fosse temporale, vers l'autre sinus de l'autre côté. Elles touchent, comme on le sait, dans cette région-là, des structures neurovasculaires d'une importance vitale, aussi bien tous les nerfs crâniens qui sont dans ce sinus caverneux, c'est-à-dire le 5, le 3, le 4 et ainsi que le 6, mais aussi la carotide interne avec aussi toutes les autres branches de la circulation antérieure. Elle peut également même aller plus être envahissante par rapport à la glande pituitaire et aussi la tige pituitaire, et c'est ce qui fait la difficulté de ces méningiomes, malheureusement, en dehors du fait qu'ils se trouvent dans cette zone hautement fonctionnelle. Et parfois ils peuvent aller même avec une extension, entraîner une extension inférieure vers le sinus sphénoïdal ou postérieur vers le clivus et l'os pétreux. Alors, une fois qu'on a localisé notre méningiome, dans cette région-là particulièrement, on a l'habitude de dire c'est une tumeur bénigne mais qui est de localisation maligne. En fait, dans l'étage antérieur, on ne peut pas l'appliquer parce que sincèrement, aujourd'hui, avec tous ces outils dont nous disposons aujourd'hui, aussi bien sur le plan imagerie pour mieux localiser la tumeur, pour voir prédire un petit peu les difficultés qu'on aura à rencontrer au niveau de l'opératoire, les différentes instrumentations, la micro-instrumentation qui permet de disséquer auprès de structures vasculaires d'une grande importance aussi et des structures nerveuses. Utiliser les microscopes, les générations de microscopes aujourd'hui permettent une meilleure visualisation de toutes la base d'implantation et les structures de la région, la neuroendoscopie qui peut être associée
à la microchirurgie pour s'assurer de l'exérèse totale. Dans les formes où il y a une atteinte osseuse, les sphéno-orbitaires, ou qu'il y ait une hyperostose associée, aujourd'hui, il existe on peut fraiser avec des fraises diamantées à ras de la dure mère sans difficulté et surtout sans iatrogénicité vis-à-vis du système nerveux central. On peut avoir aussi plusieurs, les ostéotomes, les oscillantes pour faire certaines voies d'abord. Quand je vais vous parler tout à l'heure de la frontonaso-ethmoïdale qui descend très bas sur le nez. On peut également utiliser l'intra-monitoring préopératoire quand on est sur des régions particulièrement, par exemple, du sinus caverneux, si vraiment la tumeur est importante et qu'on y va et qu'on a l'intention d'ouvrir ce sinus caverneux et donc de voir un peu les différents nerfs qui sont dans cette région-là, qui constituent cette région-là. La neuronavigation, franchement, pas énormément, elle n'aide pas beaucoup. Personnellement, je l'utilise quasiment jamais. Sur le plan esthétique, utiliser des microplates au moment de la fermeture. Bref, vous voyez que finalement, j'ai schématisé ça avec notre grand acteur, avec son char d'assaut. Donc, nous avons aujourd'hui autant d'outils qui nous permettent justement de dealer avec ces méningiomes avec une morbidité très inférieure à ce qu'elle était il y a deux ou trois décennies et avec une morbidité qui est là aussi aujourd'hui de plus en plus acceptable. Et je reviendrai là-dessus sur le fait de ne pas vouloir être à tout prix faire une exérèse totale quand on a des difficultés en péropératoire. Alors, quels sont les principes, en fait, de cette chirurgie? Le gold standard, on le sait très bien, je n'invente rien, tout le monde le sait, le méningiome est une tumeur bénigne. Qui dit tumeur bénigne? Donc, forcément, il faut l'enlever. C'est le gold standard des méningiomes. C'est la chirurgie, c'est l'exérèse totale. Alors, quels sont les principes pour cette chirurgie? Il faut toujours regarder les examens paracliniques, notamment l'imagerie, ne pas hésiter à demander des séquences particulières si on a des doutes sur des vaisseaux qui sont pris dans la tumeur ou s'il y a une extension vers un canal optique par exemple. Bref, il faut regarder, bien analyser en fait toujours la tumeur et son environnement, donc c'est-à-dire les nerfs crâniens qui sont à côté, toute la circulation antérieure du polygone de Willis avec les perforateurs, les perforantes qui sont d'une importance capitale. Parfois, tout se passe très bien, il suffit d'en coaguler une et que vous avez d'énormes surprises et des suites post-opératoires extrêmement difficiles. La tige pituitaire qui, comme on le sait aujourd'hui, qui heureusement dans les méningiomes, elle est exceptionnellement prise, pour ne pas dire presque jamais, contrairement au crânio-pharyngiome, et on connaît le pronostic malheureux des enfants et des jeunes des crânio-pharyngiomes comparativement à celui du méningiome. Donc, il faut bien là aussi regarder où est-ce qu'elle se trouve par rapport à notre tumeur. Il faut la sauvegarder à tout prix. Voir aussi l'hypothalamus. Là, je vais revenir sur ça dans un petit moment. C'est quand est-ce qu'il faut faire la différence par rapport à ces éléments-là pour prédire les difficultés qu'on risque de rencontrer, un chiasma préfixé, postfixé, etc. On va le voir tout de suite. Et puis, il faut surtout se concentrer. Je l'ai dit, je l'ai répété, je ne cesserai de le répéter. Il faut se concentrer sur la préservation de la fonction. C'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à une ère où on a dépassé les difficultés de la mortalité, peut-être, et elle existe encore, mais elle est très, très inférieure. Mais il faut vraiment s'acharner pour garder une très bonne fonction. Et aussi, bien évidemment, éviter au maximum
trouver les petites astuces pour travailler sur un cerveau détendu et éviter les rétractions en péropératoire qui peuvent être parfois aussi entraîner des complications et peut-être être catastrophiques. Le système veineux qui habituellement on fait très peu attention, mais on se rend compte quand on a, c'est avec l'expérience et aussi le recul à montrer qu'aujourd'hui les veines, il faut quand même les traiter avec beaucoup de respect, même dans la partie antérieure, même dans cet étage antérieur où il était réputé, les veines de l'étage antérieur étaient réputées, vous pouvez les coaguler, rien ne se passe. Mais il faut toujours essayer au maximum de ne pas les toucher et de les préserver, quand cela, bien évidemment, est possible. Alors, rapidement là, sur ce film qui va vous montrer un petit peu les principes du traitement. C'est une tumeur bénigne, donc résection. La résection doit être complète. C'est une tumeur qui, vous avez vu sur l'imagerie, qui est très hémorragique. Donc, elle peut être. Regardez là sur le film que je passe. Vous voyez que la tumeur, elle est là entre là, le nerf optique gauche, le droit, et là je suis entre la carotide et le nerf optique, donc dans le triangle, en train de pousser. Regardez, la carotide, elle est là. Et mon nerf optique est là. Et donc, une fois que j'ai débulqué, et là aussi, c'est un des principes de la chirurgie de la base du crâne et des méningiomes de la base du crâne, on ne peut les enlever en bloc ou en monobloc quand elles sont de petite taille. Quand elles sont de grande taille, il faut faire un débulking, comme vous voyez ici, entre les deux nerfs optiques. Ensuite, revenir sur la capsule et la cliver progressivement par rapport à toutes les structures. Ici, c'est la carotide, les deux nerfs optiques, le chiasma ici, et avec la tige pituitaire qui est derrière, qu'on n'a même pas essayé de voir. Et enfin, voilà l'exérèse totale de toute la tumeur en fin d'intervention, en respectant, bien sûr, c'est arrêté, en respectant toutes les structures, bien évidemment, nerveuses, les deux nerfs optiques, vasculaires, toute la vascularisation, aussi bien la carotide interne que la cérébrale antérieure. Et voilà donc en fin d'intervention l'image, comment on doit la voir. Donc le contrôle de la coagulation, comme je l'ai montré tout à l'heure, tout à fait au début du film, il faut toujours commencer par le contrôle de la coagulation des pédicules nourriciers. Ça permet de diminuer la vascularisation de la tumeur et donc de travailler dans un champ qui est excentre d'abord. Ça permet de mieux se repérer par rapport aux structures nerveuses et aussi de sauvegarder aussi et de ne pas être obligé de transfuser le patient. On sait qu'une transfusion n'est pas sans risque. Si on peut s'en passer, pourquoi pas. Donc, quand elle est petite, comme je dis, on peut l'enlever en monobloc, mais ça, c'est personnellement au niveau de la base du crâne, j'en ai rarement enlevé en bloc, pour ne pas dire presque jamais, mais c'est toujours une fragmentation progressive avec mobilisation, en utilisant bien entendu le bistouri à ultrasons quand on dispose, mais quand parfois, là c'est ce cas-là que je vous ai montré, je n'en disposais pas à ce moment-là, on peut aussi utiliser une bonne bipolaire qui peut faire très très bien l'affaire, et on peut utiliser également du laser pour mieux coaguler la zone d'insertion ainsi que les pédicules nourriciers, mais il faut finir bien sûr avec une bonne coagulation de la base d'implantation. Il est difficile ici, comme vous le savez, pour éviter les fistules du LCR qui sont très difficiles à gérer en post-opératoire et éviter toutes les complications qui en découlent, de faire une résection de la dure mère à partir de laquelle le méningiome est né. Mais une très bonne coagulation permet d'avoir un très bon contrôle de la tumeur. Neuronavigation, j'ai mis quelques points d'exclamation parce que honnêtement, dans cette situation, elle reste quand même, pour moi personnellement, et je pense que pour la plupart des neurochirurgiens, de très peu ou pas du tout, aucune utilité dans ces cas. Donc, c'est quoi la cible pour la chirurgie, le but de la chirurgie? Le but, c'est bien sûr, la chirurgie doit être totale. L'exérèse doit être absolument totale. Il faut préserver la fonction. Si je veux résumer en deux mots, le traitement chirurgical, c'est ça. C'est une exérèse totale
avec une préservation de la fonction. Donc, éviter à tout prix d'endommager aussi bien la vascularisation, et on sait que le complexe carotide interne, carotide cérébrale antérieure, carotide communicante antérieure sont tous dans cette région-là. Et garder une très bonne vision, donc être très, très, très méticuleux quand on fait la dissection du nerf optique, en disséquant, bien évidemment, sans trop le traumatiser, mais en même temps, en préservant sa vascularisation, c'est très, très important. Il arrive des fois que le patient, tout se passe très bien, mais il se réveille avec un déficit visuel parce qu'on n'a pas fait trop attention à sa vascularisation. C'est extrêmement important. Faire attention aussi au chiasma pour ne pas l'endommager et à sa vascularisation. Aussi, la tige pituitaire, et là, j'insiste là-dessus et je réinsiste encore, c'est quelque chose de primordial. Quand on est dans les méningiomes, surtout du diaphragme cellulaire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut vraiment être très vigilant et essayer de la repérer. Et aussi, quand on peut, on sait que c'est difficile quand on utilise les voies sous-frontales de préserver l'olfaction, mais c'est à moindre coût quand on peut le faire. Aujourd'hui, on peut faire des voies mini-invasives susorbitaires pour certaines tumeurs d'une certaine taille, bien évidemment, et on peut espérer la préservation de l'olfaction. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, les difficultés, certaines astuces, les difficultés qu'on peut rencontrer au cours de la chirurgie. Voici donc un méningiome du diaphragme cellulaire. Vous voyez là la selle turcique, vous voyez là la tige pituitaire et vous voyez le diaphragme avec la tumeur qui est là. D'accord ? Donc, c'est une… Alors, normalement, le chiasma, il est dans la majorité des cas, c'est le chiasma normal, il permet quand même un espace pré-chiasmatique à partir duquel on peut parfaitement faire l'exérèse de la tumeur, ensuite faire un debulking et puis, comme je vous ai montré sur le film. Mais quand on est dans, et heureusement, c'est une des situations les plus fréquentes, 85% des cas, mais dans 7,5% des cas, ce chiasma peut être soit préfixé, donc il ne vous donne pas du tout la possibilité de travailler en avant du chiasma, ou alors post-fixé, là aussi, il faut que vous passez vous allez en arrière du chiasma, donc vers la lame sous-optique. Et donc, ça présente quand même des difficultés par rapport quand le chiasma est dans sa position, dans sa variante anatomique normale. Alors, je passe rapidement, je ne suis pas assez longue, j'espère que je ne dépasse pas trop le temps, je vais aller plus vite là, sur les voies d'abord, rapidement. La voie d'abord qui était la plus utilisée, c'est la voie d'abord bifrontale, c'est-à-dire une incision bitragale classique avec le flap osseux, bifrontale aussi. Vous voyez là, par exemple, un cas classique de méningiome olfactif qui a été enlevé par une voie bifrontale post-opératoire immédiat. Vous voyez un petit peu là, un peu de sang encore, mais avec une exérèse totale sans aucun problème. Et c'est une voie d'abord qui a ses avantages, mais à mon sens, aujourd'hui, elle a beaucoup plus, je dirais, de désavantages. Elle est quand même beaucoup plus traumatisante, ne serait-ce que sur le plan esthétique. Là, déjà, l'incision, aujourd'hui, on ne fait plus ce genre d'incision pratiquement. Une voie frontale unilatérale, à mon sens, aujourd'hui, est suffisante. Voilà, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Donc, les avantages, c'est le respect d'ailleurs du lobe frontal contralatéral pour ne pas entraîner, si on a des difficultés ou on a un œdème préopératoire en reclinant le cerveau, d'entraîner ou d'endommager le cortex frontal et entraîner un syndrome frontal. Le contrôle aussi du sinus longitudinal supérieur, on le contrôle encore mieux avec la voie unilatérale, avec l'approche unilatérale. L'inconvénient, il reste parfois, pour certaines tumeurs volumineuses, reste quand même un corridor assez étroit et ça nécessite quand même très souvent la rétraction malgré l'ouverture parfois de c'est une voie frontale latérale, frontolatérale, malgré l'ouverture de la fissure sylvienne, malgré l'aspiration du liquide céphalorachidien quand on peut y accéder parce que la tumeur elle est d'abord
en avant et donc elle bloque la circulation, mais la rétraction, ça quand même entraîne une rétraction du lobe frontal du même côté. Voici un cas par exemple, là c'est vraiment, j'ai sorti ce cas pour vous montrer, regardez là, il n'y avait aucune rétraction, aucun rétracteur que j'ai utilisé. On est sur la base d'implantation qui a été déjà complètement coagulée. Et puis, on est en train de cliver la tumeur. Voilà, c'est la base d'implantation, le dernier petit bout de base d'implantation qu'on a coagulé. Et on a enlevé la tumeur en totalité par cet abord unilatéral, frontal unilatéral. Voici donc la vue en fin d'intervention. Voilà, ça c'est un autre cas, et c'est un cas qui est très intéressant, c'est un cas d'une dame de 54 ans à peu près, que j'avais vue en consultation dans les années 2003-2004. Vous savez que le dogme d'ouvrir le crâne reste quand même quelque chose dans certaines régions chez nous au Maroc, quelque chose qui est là, qui est présent, qui peut être pesant pour nous en tant que chirurgien, en médecin, en traitant, et aussi pour la famille. Donc au début, elle a refusé tout acte chirurgical jusqu'à arriver une année plus tard aux urgences dans un état neurologique, un état de coma avec un Glasgow à 8 ou 9. Donc dans ce cas-là, on était confronté à aller faire une décompression en urgence. Nous n'avions pas le temps de préparer le cerveau, ni pas avec des corticoïdes, ni avec quoi que ce soit, pour aller directement, même les ventricules, faire un drainage en préopératoire n'aurait pas trop aidé. Donc, on s'est dit, on va commencer d'abord par décomprimer, essayer de sauver d'abord le pronostic vital. Et donc, on a fait une voie unilatérale. Et vous voyez, j'ai commencé par la voie unilatérale du côté gauche parce que c'est de là où la tumeur où elle était la plus grosse. Malheureusement, j'ai perdu les clichés de la première consultation et elle ne les avait pas ramenés. Avant l'aggravation neurologique, et vous voyez qu'en post-opératoire, il persiste une grande partie parce que c'était une énorme tumeur qui dépassait 10 cm avec une extension bien sûr supérieure, mais aussi très postérieure. Vous voyez, ça descendait quasiment jusqu'au niveau de la charnière cervico-occipitale, C2. Donc ensuite, on l'a reprise plus tard. Une fois qu'elle s'est réveillée, en post-opératoire, elle allait très bien. Glasgow son Glasgow à 15, au bout de 2-3 jours avec les corticoïdes. Et on a attaqué donc la deuxième portion de l'autre côté avec, en fin de compte, une assez bonne résection. Il persistait quand même une petite portion qui est très, très postérieure, rétroclivale, et qui, là aussi, on a adressé à la radiochirurgie. Malheureusement, encore une fois, la patiente perdue de vue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Donc, vous voyez là, ici, c'était en préopératoire lors de la deuxième partie, et on voit qu'on travaille quand même sur un cerveau qui était quand même plus détendu, alors que si on avait fait d'emblée une voie bifrontale, on aurait eu peut-être probablement une turgescence du cerveau, alors que là, regardez, il n'y a même pas de rétracteur, et on est en train d'enlever la tumeur tranquillement, en coagulant et en réséquant progressivement. Là, c'est un cas intéressant. Pourquoi ? Parce que quand c'est un monsieur, il s'agit d'un monsieur de la cinquantaine aussi, qui a été vu par un radiologue qui parlait d'un anévrisme géant. Donc, il arrive dans le service, on regarde encore les images de près, et on se rend compte que non, pas du tout, c'est pas du tout un anévrisme, c'est un méningiome du jugum sphénoïdal, en regardant les différents clichés. Et là, vous voyez en péropératoire l'image, une fois qu'on a terminé, là aussi, entre les deux nerfs optiques, et vous avez vu, là je suis passée rapidement, là c'est vraiment vers la fin, je montre la carotide, le nerf optique droit, et là la cavité où il y avait la tumeur, une fois qu'on l'a réséquée totalement, vous voyez le coton qu'on a mis pour faire un petit peu l'hémostase, et voilà, donc c'est l'endroit où il y avait la tumeur qui est complètement réséquée.
Alors, complètement reséqué, vous voyez, il persistait, vous voyez, il y a une petite artériole, une artère ici, probablement c'est la communicante antérieure, plutôt en postérieure, avec un petit résidu qui restait quand même, qu'on avait du mal, qu'on a coupé à ras, et que vous voyez ici, en post-opératoire, sur le scanner post-opératoire. C'est un patient que je surveille jusqu'à présent, que je n'ai pas proposé à la radiochirurgie, puisque... pour l'instant, ça se passe bien avec un 10 ans de recul. Peut-être un jour, si jamais il y a une reprise tumorale, je l'enverrai. Alors, catastrophe, chose à éviter, à ne jamais faire. Un méningiome médian comme celui-là, du planum sphénoïdal, et vous allez l'aborder par une voie ptérionale. Voilà la catastrophe que ça donne en post-opératoire. Ça, c'est un malade qui a été opéré dans le département quand j'étais à l'hôpital Avicenne, l'hôpital public. Malheureusement, le chirurgien qui l'a opéré avait opté pour une voie ptérionale. Et on se retrouve non seulement avec une contusion de parenchymateuse importante, et bien évidemment, avec une voie ptérionale comme celle-là, on ne peut pas contrôler ni la partie contralatérale de la tumeur, ni la partie postérieure de la tumeur. Donc, je dirais mettre une croix dessus. Pour moi, la voie ptérionale dans les méningiomes du planum sphénoïdal est à exclure. Alors, ici, rapidement, je pense que c'est presque les dernières images, juste pour vous montrer, voilà les méningiomes sphéno-orbitaires les plus difficiles, les plus compliqués, les plus vraiment challenge, très 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 challengeant. Beaucoup de, on a besoin de beaucoup de patience, beaucoup de d'instruments, aussi bien pour fraiser l'os, pour enlever la tumeur charnue, essayer de sauvegarder les différentes artères qui sont dedans, le nerf optique, suivre la tumeur dans le canal optique parfois pour éviter, par exemple ici vous voyez que cette tumeur qui était dans qui est une variété interne de la clinoïde antérieure. Ici, le sphéno-orbitaire que je vous montrais tout à l'heure au moment de la localisation, voici en post-opératoire, nous avons pu réséquer, en tous les cas macroscopiquement, il s'agit d'une résection totale. Jusqu'à présent, le patient va bien. On verra plus tard si, avec une très bonne régression de l'exophtalmie. Vous voyez là des tumeurs qui sont des fois compliquées, très difficiles. On sait déjà sur l'imagerie qu'on va avoir des difficultés pour vraiment cliver cette tumeur. On y arrive quand même parfois sans trop de dommages, comme le cas de cette patiente ici avec de très bonnes suites opératoires. Mais il faut savoir que ce sont des tumeurs qui sont très difficilement résécables. En tous les cas, en totalité. Le dernier approche dont je voulais partager avec vous, c'est le front-orbito-nasal approche, qui est surtout pour les tumeurs, les méningiomes olfactifs, parce qu'on arrive directement, voilà, regardez la découpe osseuse jusqu'où elle va. On est vraiment en basifrontale, on est sur le toit de l'orbite et on descend vraiment jusqu'à quasiment vers l'épine nasale. Donc, on se retrouve, regardez, on se retrouve sur la tumeur directement sans avoir à écarter ni le lobe frontal, ni quoi que ce soit. On a un corridor assez large directement sur la tumeur et la base d'implantation. Donc, d'emblée, on démarre par la coagulation de la base d'implantation et on arrive à faire des exérèses beaucoup plus facile, avec moins de dégâts par rapport au cerveau. Et c'est le premier cas que j'ai fait avec cette voie d'abord, en 2005. Il s'agissait de la dépouse de notre anatomopathologiste, notre cher anatomopathologiste, et puis qui avait à la fois une ossification du planum, que vous voyez ici sur le scanner. Donc, on avait réalisé, qu'on voit ici également, vous voyez, l'IRM, elle est en hyposignal. Donc, la résection a été totale. Et vous voyez quand même, franchement, il y a très peu, pour ne pas dire pas du tout, d'atteinte du parenchyme. Il y a encore de l'œdème, c'est normal, parce qu'il y avait de l'œdème de toute manière. Donc, c'était un scanner post-opératoire assez proche qui montrait l'exérèse totale.
Là aussi, très rapidement, pour montrer un autre cas où il y avait la carotide est prise dans ce magma tumoral. Donc, il faut y aller très doucement, réséquer petit morceau par morceau, jusqu'à ce que vers la fin, on commence à deviner plus ou moins la carotide. Et vous voyez, en fait, la paroi de la carotide, elle est infiltrée. Donc, c'est une maladie loco-régionale. Parfois, elle devient une maladie loco-régionale telle que le cas, le cas particulier des sphéno-orbitaires. L'endoscopie, l'endoscopie, c'est très à la mode aujourd'hui. Bien sûr que nous l'avons essayé. Pour dire toute honnêteté, on a très, très peu de cas. Quelques cas, et honnêtement, notre recrutement avec la taille de nos tumeurs ne nous permet pas de faire des exérèses encore endoscopiques. Nous utilisons l'endoscopie surtout pour les adénomes hypophysaires. Et puis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de neurochirurgiens qui ont démarré les méningiomes, surtout de l'étage antérieur, la partie antérieure, c'est-à-dire l'ethmoïdale. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de complications, de fissures de liquide céphalo-rachidien, et donc beaucoup de difficultés pour la fermeture en post-opératoire qui les fait revenir vers du mini-invasif, une voie endoscopique sus-orbitaire avec un petit burr hole, et aller surtout quand la tumeur est de petite taille. Voilà l'endoscopie avec les différentes steps qu'on voit ici. Donc, la tumeur, une fois la tumeur enlevée, et surtout, surtout, il faut s'assurer de la bonne fermeture, parce qu'autrement, c'est ça la catastrophe, c'est que vous avez réussi à enlever votre tumeur, mais après, vous pouvez perdre votre malade par les complications qui sont liées à la fermeture de cette voie d'apport. Donc, finalement, est-ce qu'on peut prédire la qualité de la résection avant d'être en péropératoire? C'est une question que tout le monde se pose, que chaque neurochirurgien se pose chaque fois qu'on est devant ce genre de malade, ou de tous les malades de façon générale. Moi, ma réponse est non. Pourquoi? Parce que, regardez dans ce méningiome, qui était vraiment très gentil, j'allais dire, à la limite. Méningiome du jugum, taille moyenne, qui me semble pas très invasif. Donc, on y va par une voie sous-frontale classique, en péropératoire. Là aussi, je pense que c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. J'étais obligée de laisser, on était obligée de finir l'intervention en laissant un tout petit bout sur une des artères, l'artère cérébrale antérieure, vous le voyez ici. Et donc, vous voyez que je l'ai suivi depuis, je crois que j'avais opéré en 2006, je l'ai suivi jusqu'en 2011. Et le petit résidu reste toujours stable. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore proposé de radiochirurgie. À l'époque, elle n'existait pas, mais actuellement, nous en disposons. Mais bon, je trouve que c'est un patient qui vient régulièrement à ses consultations. Donc, une bonne observation. Donc, il n'y a pas de problème. En fin de compte, pour terminer, on va quand même parler des complications très très brièvement. 30% de complications qui est due à la chirurgie, d'après Spector en 2005, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et la mortalité qui est dans notre série qui est à peu près 3%, et que dans la littérature, vous voyez, c'est entre 4% jusqu'à 18%, et même il y en a qui reportent des taux de mortalité même inférieurs à 1%. Vous avez bien compris à qui je fais allusion, notamment des grandes de notre époque, Oussama El Mufti, etc. Et puis, il y a quand même une morbidité qui est de 23%. On peut avoir un déficit neurologique dans 7% de ces cas, des infections, que ce soit post-méningétique ou après l'ouverture, surtout dans l'étage antérieur, on essaye de ne pas ouvrir le sinus frontal, mais si on veut avoir une bonne maîtrise de la tumeur et de la base d'implantation, il faut aller le plus bas sur la base du crâne et donc forcément aller à l'ouverture du sinus frontal. Donc, il y a
un risque infectieux supplémentaire. Et puis, les troubles thromboemboliques qui accompagnent souvent les méningomes sont assez connus dans 4% des cas. En tous les cas, il faut savoir une chose, que le Karnofsky, quand il est supérieur à 70%, nous avons quand même une évolution favorable dans cette localisation qui dépasse les 70% des cas et avec un taux de récurrence qui est finalement assez acceptable et qui avoisine les 6%. Et c'est bien évidemment en fonction du grading Simpson que vous voyez ici. Le but ultime de ça, c'est de la chirurgie complète. C'est bien sûr améliorer l'étape préopératoire des patients, avoir un long follow-up pour éviter des récidives qu'on peut voir même 10 ans plus tard. Donc, et ça dépend de la qualité de l'exérèse et surtout de la base d'implantation. Et dans cette zone-là, il est difficile de faire une résection de la base d'implantation. Souvent, on finit par faire une coagulation de celle-là, et vous voyez quand même là le taux de récidive en fonction de la résection selon la classification de Simpson. Quels sont les mauvais facteurs de pronostic? Déjà, cette localisation représente un mauvais facteur. L'étage antérieur, la base du crâne en elle-même, que ce soit l'étage antérieur, moyen ou postérieur, est un mauvais facteur de méningite. Le Karnofsky, comme je vous l'ai dit, inférieur à 70%, le taux de la mortalité, elle passe de 16% versus 8,5%, ce qui est quand même pratiquement le double. Les tumeurs de la base du crâne, de façon générale, ils ont quand même un taux de mortalité qui est plus élevé par rapport à ceux de la convexité. On passe de 15-19, on parle à 6% pour les convexités. La taille de la tumeur, plus la taille de la tumeur est grande, bien évidemment, plus les complications sont importantes et plus la mortalité augmente. L'âge des patients, là aussi, avec toutes les tares qui peuvent l'accompagner, et bien vous voyez, un âge qui est supérieur à 70 ans, on passe de 20% de mortalité versus 10% quand l'âge est inférieur à 40 ans. Et enfin, le traitement combiné, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à faire une exérèse totale, une complète microchirurgie, ben il faut compléter par une radiochirurgie qui est très aujourd'hui un schéma très recommandable. Aujourd'hui, il est, je dirais, à la limite criminel de parler de radiothérapie dans le traitement des méningiomes, puisque nous avons la radiochirurgie qui peut parfois, quand on n'a pas pu faire l'exérèse totale ou laisser des résidus, de contrôler ces résidus par la radiochirurgie. Voilà. Donc, en conclusion, je suis désolée si j'ai été assez longue, mais il est difficile de parler des méningiomes et de rester non passionnée et d'essayer de résumer. Mais de façon, mon message le plus important, c'est à retenir, c'est que ce sont les méningiomes, c'est des tumeurs qu'il faut absolument enlever totalement, mais avec bien sûr en préservant la fonction. Elle doit être préservée à tout prix, même au prix de laisser un petit résidu qu'on peut traiter par radiochirurgie. Et dans les tumeurs de grande taille, là aussi, si on n'arrive pas à faire l'exérèse totale, et il faut éviter d'aller faire l'exérèse à tout prix et entraîner des risques fonctionnels. Là, il faut d'emblée aller avec l'idée de faire le maximum qu'on peut faire sur le plan chirurgical et de confier le patient en radiochirurgie plus tard. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Labadie. Professeur Ravtopoulos, donc juste pour savoir. Et il est finalement, il a pu nous se joindre à nous. Je pense qu'il est. Christian, voilà. Je suis là depuis. Merci beaucoup. Depuis le début de la conférence. Salut Christian. Merci beaucoup. Ça va? Très bien.
Professeur Avtopoulos, je voulais savoir, donc, si vous avez est-ce qu'on peut faire une discussion sur le premier sujet ou on attend? Bien entendu, oui, j'écoute la discussion avec beaucoup d'intérêt. Ben, donc, on va participer à la discussion. Merci beaucoup pour cette présentation qui est assez riche et qui présente beaucoup de formes. Moi, j'ai quelques questions concernant ces méningiomes. En fait, il y a donc, dans ce que vous avez présenté, il y a pas mal donc, de méningiomes un peu sphéno-caverneux et d'autres de tubercules, partie interne, pardon, donc la clinoïde qui déborde sur sphénoïdale, mais au niveau pas vraiment étage antérieur de la base du crâne. La voie ptérionale, pour vous dire que j'utilise que ça soit donc le méningiome olfactif, planum, tubercule de la selle. Je pense qu'on le fait bien, qu'on fait souvent. C'est une voie qui a certains avantages, parce qu'on arrive sur la base d'implantation des méningiomes et il y a aucune rétraction cérébrale. C'est vraiment donc, la partie supérieure qui descend progressivement. Ça demande donc, bien sûr de la pratique, il faut travailler. Moi, j'étais auprès de professeur Grisoli qui faisait beaucoup cette intervention. C'est parmi les premiers qui a fait cet abord. Et le résultat, donc, c'est-à-dire on opère sans voir finalement donc, le parenchyme. C'est à la fin qu'on enlève, parce qu'il y a toujours une paroi, un plan de clivage. D'autre part, il y a aussi, avec l'habitude, on peut passer à la partie antérieure des toits de l'orbite, on peut fraiser, on peut enlever le toit de l'orbite, on peut débrancher donc, ou décoller donc, la tente du cervelet pour passer de l'autre côté. Bien entendu, ces méningiomes, quand ils sont devant une nostalgie, le fonctionnel, c'est-à-dire l'olfaction, elle est souvent compromise. Par contre, les petits, donc, les tout petits, effectivement, là, il faut garder donc, cette olfaction et la chirurgie donc, devient beaucoup plus. Donc, il y a certaines formes qui sont facilement enlevables, d'autres qu'il faut bien sûr tourner autour, bien résecter la paroi. D'autre part, bien analyser le scanner de l'étage antérieur pour voir, parfois, donc on a une corticale qui apparaît ferme, etc. Mais quand on fraise, on retrouve de la tumeur, donc c'est du tissu tumoral. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir l'étage antérieur, donc d'avoir une fuite de LCR. Donc l'essentiel, c'est de mettre beaucoup de temps, il faut mettre le temps pour fermer. D'ailleurs, cette chirurgie demande, elle est longue, mais il ne faut pas jusqu'à la fin et terminer avec mauvaise note. Je pense que c'est primordial. Je ne sais pas s'il y a ce que vous en pensez de ma réflexion. Écoutez, la question, vous avez raison. Je pense que je me suis peut-être mal exprimée quand je parlais de la voie ptérionale. Parce que ce que vous appelez, à mon avis, je pense, voie ptérionale, c'est que vous voulez parler de la voie frontolatérale, qui en fait, c'est une variante de la ptérionale. Mais la vraie ptérionale qu'on fait avec une ouverture de la sylvienne, comme je vous ai montré, le cas que je vous ai montré, là, honnêtement, pour un méningiome olfactif, je pense que la logique voudrait à ce qu'on aille par le chemin le plus court, bien évidemment. Le plus court pour arriver sur la base d'implantation. Alors, vous imaginez pour un méningiome olfactif, vous allez par une voie ptérionale alors que la voie sous-frontale ou la frontonasale dont je vous ai montré, ou la susorbitaire s'il est de toute petite taille, elle est vraiment sans aucune conséquence. On n'a même pas, je vous ai montré quand même pas mal de cas, on n'a même pas besoin de faire de rétracter le cerveau.
Non, je pense que c'est, on s'est mal compris. C'est la voie périonale dont vous parlez, c'est la voie plutôt frontolatérale. La voie périonale pour une voie, pour un ménagement olfactif, personnellement, j'ai mis la croix dessus. Hein. Par contre, pour le jugum, c'est la voie sous-frontale latérale aussi, qui marche très bien. Parce que avec la périonale, vous avez des difficultés parce que c'est surtout pour les lésions qui sont médianes. Et vous avez parfois des difficultés parce que, bon, on commence toujours comme la méthode, on va dire, la façon de faire est toujours la même. C'est dans ces zones-là, dans ces localisations, on commence par le debulking et ensuite on commence par le clivage de partout. Donc, quand vous êtes en face de la tumeur, quand vous venez par en haut et en face et vous avez les deux sites, les deux côtés, à mon sens, c'est beaucoup plus facile, c'est moins traumatisant pour le cortex que quand vous venez d'un côté et en fin d'intervention, vous ne savez pas ce qui se passe en arrière. C'est là aussi, je ne sais pas, vous parlez de la fermeture, je pense que vous faisiez allusion à l'endoscopie. C'est ce que, personnellement, c'est ce qui m'a un peu freiné d'aller vers les méningiomes de l'étage antérieur, que j'en ai pratiquement, j'ai fait quelques-uns, quelques petits méningiomes. Et ce qui m'a freiné, c'est qu'au moment où c'était tout le monde allait vers ça, les difficultés de fermeture, vous avez beau faire des gros flaps avec de la graisse, avec beaucoup de, avec des taquets, avec plein d'astuces, le taux de fistule entre des mains bien entraînées restait quand même très élevé avec des complications assez élevées en France. Mais la périonale, je pense qu'on parle de la même, sauf que c'est frontolatéral, c'est une variante, quoi, de la... mais pas la périonale classique. Ok, mais en plus, on réduit de plus en plus le volet. En fait, l'idée, plus la tumeur est grosse, plus on est content parce qu'il y a une rétraction cérébrale, on n'a pas à aller à rétracter le cerveau. Mais c'est une question d'habitude, en fait, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, on peut aller plus loin de l'autre côté, donc il faut prendre son temps, donc bien se positionner, donc bien se positionner au niveau microscope pour suivre les différentes fractuosité de l'étage antérieur. Mais c'est vraiment donc, le but c'est de bien enlever la tumeur et de traiter, mais peu importe la voie d'abord, donc l'essentiel c'est de le faire bien. On a Christian qui va arriver avec la voie ptérionale pour la vasculaire que je pratique, évidemment, pas uniquement pour la vasculaire, mais pour d'autres tumeurs également, pour les tumeurs qui sont postérieures, pour certains adénomes, pour certaines choses, exceptionnellement par voie haute, mais pas pour les tumeurs, en tout cas pas pour les olfactifs, hein, je précise bien, pas pour ceux qui sont vraiment très très antérieurs, mais par contre pour les méningiomes de la petite aile du sphénoïde, c'est évident que c'est une voie ptérionale, ça tombe sur le sens. Professeur il y a Kherdin, professeur bonjour Kherdin. Bonjour Nadia, bonjour tout le monde. Comment vas-tu, Khaltin, ça va? Je vais bien, merci et bravo pour cette très très belle présentation. Je voulais faire une petite remarque quand même concernant... à mon avis, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le méningiome est une tumeur bénigne. Elle n'est plus aussi bénigne que ça. Moi, je vois les résultats depuis ces 20 ou 30 dernières années des méningiomes qu'on reçoit. On est souvent déçu parce que le grading aujourd'hui, avec la nouvelle classification, il y a pas mal de cas qui sont grade 2, grade 3 et qui ne sont plus très, très bénins. Il s'agit vraiment de tumeurs malignes et ça explique un peu toutes les récidives. À mon avis, il faut être très circonspect, ça n'est plus vraiment une tumeur bénigne. Le deuxième point que je voulais soulever, tu as essuyé d'un revers la voie endoscopique et tu sais très bien que je suis personnellement. C'est comme l'histoire du lombric. Je n'ai pas essuyé d'un revers. J'ai dit personnellement, je n'ai pas une grande expérience. Mais pour l'audience, les gens vont toujours croire qu'il ne faut pas faire la voie endoscopique. Non, pas du tout. La voie endoscopique, pour les gens qui sont bien entraînés, à mon avis, c'est une voie extrêmement intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on ne touche pas du tout le cerveau,
Et surtout, dès qu'on arrive à la base du crâne, dès qu'on arrive sur la dure mère, le paquet nourricier est là sous les yeux. Dès qu'on a coagulé le paquet nourricier, la tumeur est exsangue et on peut l'enlever. C'est vrai qu'il a des problèmes de fermeture, mais c'est l'entraînement, c'est la courbe d'apprentissage qui fait que moi, personnellement, aujourd'hui, si j'avais un méningiome de l'étage antérieur, je préférerais plutôt me faire opérer par voie basse. Voilà, mais en tout cas, c'était très, très bien. J'ai apprécié ta très belle communication, ta large série, et je vous salue. Merci, Kherdine. Tu sais, pertinent. Je savais que tu allais faire la remarque, bien évidemment. Et tu sais, j'ai dit que personnellement, je n'ai pas une grande expérience pour les méningiomes, mais j'ai rapporté un peu ce qui se dit dans la littérature. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'étais sur un webinaire avec Fred Gentili, pour lequel on souhaite toute la santé, oui. L'établissement. Et c'est lui qui me dit, tu sais, nageur, je suis revenu, moi, sur les méningiomes, les gros méningiomes olfactifs, je ne veux plus. Lui, qui est un endoscopiste aussi pur et dur, hein, comme toi. Pour les grosses tumeurs, oui, je suis d'accord. Il est revenu parce qu'il me dit, j'ai un taux de... malgré toutes je fais le maximum pour fermer, et personnellement, avec mon expérience de plus de 40-50 ans aujourd'hui, et pourtant, j'ai quand même un taux de fistule qui reste très élevé, ce qui, pour lui, il me dit, ça dépend de la taille. À partir d'une certaine taille, je préfère passer encore... Il est revenu à repasser par la voie haute pour certaines patients. Donc, je ne parlais pas que de moi, parce qu'évidemment, quand on n'a pas l'expérience, il faut quand même citer ceux qui l'ont. Et oui, tu as raison, c'est une maladie loco-régionale, je l'ai dit. Et on voit de plus en plus, même parfois quand on vous dit c'est un méningiome grade 1, on est surpris, même actuellement avec la classification, on est surpris. J'en ai vu cette année un malade que j'ai repris 3 fois ou 4 fois. On sait très bien, chez les hommes déjà, c'est très particulier. Les méningiomes chez l'homme sont pas du tout, même si la patte souvent nous dit que c'est méningiome disons bénin, grade 1, mais l'évolution démontre l'inverse. Une dernière remarque peut-être concernant la radiochirurgie. Il y a une tendance actuelle de certains neurochirurgiens qui vous disent, dans les neurinomes de l'acoustique, dans certains méningiomes, ils disent, non, on laisse un peu quand même parce qu'il y a la radiochirurgie qui va faire le reste. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Le chirurgien doit faire la xérèse la plus large possible, bien sûr, dans les limites de la conservation de la fonction. Mais cette idée de vouloir laisser quand même un morceau parce qu'il est à la radiochirurgie, c'est faux. La radiochirurgie a ses propres complications. Et puis, si vous regardez la littérature, les récidives après radiothérapie, après radiochirurgie, sont nettement plus importantes que les récidives après chirurgie. Donc, cette notion de « on va enlever un peu, on va laisser un peu pour la radiochirurgie », c'est une notion qu'il faut discuter. Je suis absolument d'accord avec toi. D'ailleurs, j'espère que mon message n'aurait pas été perçu ainsi, parce que ce que je disais, c'est qu'en fait, quand on a eu des difficultés en péropératoire à enlever la totalité ou alors laisser, et je vous ai montré quelques cas que je n'ai pas envoyés en radiochirurgie et qui sont là, qui sont suivis avec des petits résidus qui restaient là stables depuis 10-12 ans, par exemple. Mais quand on est en face d'une tumeur qui est, par exemple, qui a envoyé un vaisseau qu'on ne peut pas enlever, ou en tous les cas, une difficulté extrême qui nous impose de s'arrêter, c'est là où je dis qu'il ne faut pas aller à tout prix entraîner des complications, on va dire, une morbidité, une iatrogénicité importante, à tout prix, parce qu'il faut absolument faire l'exérèse totale. Dans ces cas-là, on peut se permettre de laisser ce résidu qu'on a de difficulté à enlever, le laisser pour la radiochirurgie ou le surveiller. Hein. Moi encore, je dis radiochirurgie parce qu'effectivement, c'est maintenant c'est un traitement complémentaire. C'est pas un traitement pour moi, en tout cas à mon sens. Je ne l'ai jamais perçu comme traitement. Il est combiné et non. Il n'est pas concurrent avec la chirurgie, c'est un traitement complémentaire. C'est clair. Professeur Avtopoulos,
si vous avez des questions, des remarques. Non, j'ai aucun commentaire, sauf si vous me posez une question, je vous dirai ce que je pense, mais sinon, je n'ai pas de commentaire. D'accord. Ma question, est-ce que vous faites les méningiomes de l'étage antérieur par voie pterionale ou bifrontale ou frontale unilatérale? Bien entendu, la stratégie d'attaque d'un méningiome de l'étage antérieur est définie par sa base d'implantation et son volume. Et en fonction de cela, nous allons aller d'un abord interhémisphérique antérieur jusqu'à l'abord pterionale. Donc, c'est vrai que l'abord pterionale pur pour un méningiome du jugum est possible. Mais tout dépend de nouveau de la taille de la lésion. Et très souvent, on va aller vers des abords ptérionofrontales ou des abords sous-frontales, sus-orbitaires. Mais il est clair que, de nouveau, ça dépend des uns et des autres. Ce que, personnellement, je n'aime pas, c'est l'ouverture des sinus frontaux. Ça donne régulièrement des soucis à plusieurs années. Donc, j'essaie d'éviter les sinus frontaux, quitte à les squelettiser et à faire un abord antérieur en évitant les sinus frontaux. Mais de nouveau, je répète, ça dépend de votre expérience. Mais faire tout par voie pterionale, on a d'autres questions? Adrien? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il te plaît, docteur? Il y a une personne qui demandait, donc c'est le docteur Befio Siondong qui demandait ce qui détermine le choix du côté dans l'abord frontal unilatéral. Mais bon, j'imagine qu'on a déjà un petit peu répondu que ça dépend effectivement de la base de la zone d'insertion du méningiome en particulier. J'imagine que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé. Absolument. Voilà. Bah, je crois que là, on a tous répondu plus ou moins. Enfin, voilà, tout à fait. Christian l'a bien résumé. C'est encore une fois, c'est fonction du volume de la taille, fonction de la localisation et on s'adapte, bien sûr, on s'adapte. Et je suis absolument d'accord avec toi, Christian, sur cette histoire de sinus frontal. Maintenant, on avance dans l'âge et on se rend compte que 15 ans, même j'en ai opéré deux ou trois cas de cette année de mes patients pour des sinusites frontales énormes. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'éviter justement quand on ouvre, même quand on fait une sous-frontale, on essaye d'éviter le sinus frontal. Et c'est là où peut-être les seules fois où moi je peux dire que la neuronavigation peut être parfois intéressante. Exactement. C'est pour faire justement pour l'utiliser pour éviter l'ouverture du sinus frontal. Mais c'est vrai que les 15-20 ans plus tard et tu vois des malades qui reviennent pour des sinusites frontales. Et ça, c'est chagrinant. C'est pour ça que maintenant, effectivement, je reviens maintenant totalement sur cette ouverture du sinus frontal. S'il n'y a pas de questions, on va passer à notre deuxième invité, le professeur Avtopoulos. Je fais une petite présentation. Professeur Avtopoulos, je fais une petite introduction. Une petite alors, hein? Donc, je n'ai pas pu faire autrement. Max a fait ses études à l'Université de Liège en 83. Donc, a eu son diplôme de neurochirurgie en 89. PhD en 1996, a eu la responsabilité du département de neurochirurgie à l'hôpital universitaire Saint-Luc de Bruxelles. En l'année 2000, il est devenu professeur ordinaire de neurochirurgie.
durant cette période, le service de Saint-Luc a grandement, s'est grandement développé et devenu internationalement reconnu comme centre d'excellence avec des visiteurs qui viennent un peu du monde entier et des patients qui sont référés à ce centre. Le professeur Christophe Raftopoulos a contribué à des développements de certaines techniques, notamment la nouvelle classification de la pression de type de pression intracrânienne, et également de quelques modifications concernant la chirurgie du pied de malformation de Chiari. Entre parenthèses, je me souviens donc, de certaines discussions à Marseille avec le professeur Grisoli concernant la malformation de Chiari. Les méningocèles également et les anévrismes cérébraux. Il est co-chairman du centre d'épilepsie réactaire depuis 2001. Depuis 2002, il a fait sa présentation à l'association américaine de neurochirurgie à Chicago, où il a parlé de son expérience des anévrismes chirurgicaux qu'il va nous traiter aujourd'hui, notamment les sylviennes. En 2006, il a ouvert une structure chirurgicale complexe avec une IRM 3 Tesla au bloc opératoire, ainsi que l'utilisation du robot 3D fluoroscopie pour la chirurgie mini-invasive et de la stimulation intracérébrale. Il a été également pour 5 ans secrétaire de la Société de neurochirurgie de langue française. En 2008, il a reçu il est président scientifique du comité Fondation GED Belgique. Il était président de la société du groupe d'études des approches intersomatiques du rachis. En novembre 2012, il a été élu président de la société de neurochirurgie de langue française. Et en 2015, il est devenu professeur enseignant de la World Society. Le CV est très long. Bienvenue, professeur Raftopoulos. Bien, merci à vous. Alors, je vais partager mon écran pour cette présentation. Et on est parti. Donc, je vais parler maximum 40 minutes parce que tout le monde a envie de se reposer aussi. Donc, je vais indiquer mon temps de parole ici et c'est parti. Tout le monde voit les images? Oui, tout à fait. Alors, donc le sujet que j'ai appris qu'on m'a demandé de présenter ce soir est celui des anévrismes de la cérébrale moyenne, qui est un sujet passionnant et tout à fait, bien entendu, extrêmement chirurgical. Tout d'abord, nous devons parler, comme on parle des anévrismes sylviens, nous devons parler des anévrismes au sens large et donc de faire la distinction entre anévrisme rompu et non rompu et entre les voies endovasculaires et les voies transcrâniennes et souligner l'outcome, c'est-à-dire le devenir, les résultats, parce qu'en fait, tout le monde peut parler de n'importe quoi. Mais la première chose que je vais personnellement écouter, c'est les résultats, mortalité, morbidité, et si le but est atteint. Donc, on va d'abord rentrer dans la phase générale des anévrismes. On ne peut pas comprendre les anévrismes sylviens sans comprendre les anévrismes au sens large. D'abord, en face des anévrismes rompus, ce qui est quand même la majorité, reste la majorité des cas, il est clair que les voies endovasculaires l'emporte sur les voies transcrâniennes. Vous voyez le principe des voies endovasculaires, c'est à travers le vaisseau porteur, introduire un col, faire une thrombose
introduire un courant électrique dans le coil et créer une thrombose dans l'anévrisme autour des coils. On voit tout de suite les effets négatifs potentiels, c'est qu'on introduit un matériel étranger à l'intérieur des vaisseaux où il y a le sang qui ne demande qu'une chose, c'est de coaguler. Donc le premier risque de ces techniques, c'est le risque thromboembolique. Les grandes exceptions à la chirurgie, parce que j'appelle ça aussi de la chirurgie, c'est pour ça que certains centres maintenant ont fusionné l'endovasculaire et le transcrânien, mais en Europe et en Belgique, il y a malheureusement encore cette scission entre l'univers radiologique endovasculaire et l'univers neurochirurgical. Mais bref, l'endovasculaire, c'est une forme de chirurgie. Il y a deux grandes exceptions aux techniques endovasculaires qui imposent les techniques transcrânienne par clipage, c'est bien entendu, vous avez ici les hématomes intraopératoires et ici le fait que l'anévrisme présente un collet trop large. Si le collet est trop large, c'est en général pour la chirurgie et pas pour l'endovasculaire. Si maintenant vous êtes face à un anévrisme non rompu, que faut-il faire face à un anévrisme non rompu? Eh bien, il faut utiliser la classification, le phase score. La majorité, un grand nombre d'anévrismes non rompus ne sont pas opérés, ne sont pas traités, ils sont surveillés. Et si quelqu'un opère un anévrisme qui n'aurait pas dû être opéré ou traité, eh bien, s'il y a une complication, en tout cas chez nous, problème médico-légal potentiel. Donc, le FASI score est un score qui se base sur la taille de l'anévrisme, sur l'origine du patient, sur la présence d'une hypertension, A, sur l'âge du patient, E, s'il y a déjà eu une hémorragie sous-arachnoïdienne, et S, c'est pour le site. Très important, le FASI score va vous donner le risque de rupture de l'anévrisme en question sur les 5 ans qui suivent. Alors, regardons cela plus en détail. Alors, vous voyez par exemple, c'est très bien, le FASI, c'est donc un acronyme. P pour population, H pour hypertension, A pour âge, S pour size, E pour earlier subarachnoidal hemorrhage from another aneurysm, S pour site of aneurysm. Le facteur qui donne le plus de poids au score, c'est la taille de l'anévrisme. Et vous voyez que les valeurs de 7, de 10 et de 20 font que si, par exemple, l'anévrisme a plus de 20 mm, on doit donner 10 au score. Maintenant, si, par exemple, le patient est d'origine finlandaise, eh bien, on doit ajouter au score 5. Et le site, par exemple, si vous avez, par exemple, un anévrisme de la communicante postérieure, il faut donner un score de 4. Et vous voyez que le score monte, monte, monte. Plus il va être haut, plus le risque de rupture dans les 5 ans va augmenter. Alors, voyons comment ce risque de rupture augmente en fonction du score. Dans l'axe DX, vous avez le FASIS score. Dans l'axe DY, vous avez le risque d'hémorragie, ou plutôt de rupture dans les 5 ans, en fonction du score FASIS. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons que lorsque le FASI score passe de 6 à 7, le risque d'hémorragie dans les 5 ans dépasse 2%. La question est maintenant, quel est le risque du traitement endovasculaire ou transcrânien que l'on va faire au patient? Personnellement, je considère dans mon service et d'autres centres que ce risque est de 1 à 2%. Ça veut dire que dans mon service, si le score FASIS est inférieur à 6, le patient est surveillé.
on reste cool, on surveille. Si le score est supérieur à 6, égal ou supérieur à 6, vous voyez que le risque de rupture sur les 5 ans qui suivent n'est que de 1,7%, c'est-à-dire équivalent au risque du traitement, eh bien, à ce moment-là, nous allons proposer un traitement. À souligner tout de suite que si l'anévrisme grossit, que si l'anévrisme est irrégulier, que si le patient fume, que si le patient a une maladie génétique, comme une polycystic kidney disease, eh bien, le risque de rupture augmente de façon plus importante et entraîne la décision thérapeutique. Alors, ce traitement de ces anévrismes, au sens large, vous savez qu'il est soit endovasculaire, soit transcrânien par la mise en place d'un clip à la base du collet anévrismal. La démarche est maintenant systématiquement toujours de se poser la question, est-il possible de l'emboliser avec un risque de complication technique minimal? Et en général, nous allons aller vers l'embolisation si le patient est dans un mauvais état clinique ou trop âgé. Si l'anévrisme est de la circulation postérieure, nous savons que les abords chirurgicaux sont plus compliqués et donc, dès lors, on va préférer les voies endovasculaires. Et bien entendu, il faut, pour aller vers l'endovasculaire, une morphologie adéquate. C'est le fameux ratio fundus-neck supérieur ou égal à 2,5. C'est un collet, si possible, inférieur à 4 mm et un diamètre anévrismal inférieur à 25. Bien entendu qu'on peut emboliser les anévrismes qui ne respectent pas ça. Mais la technique devient plus dangereuse et surtout beaucoup plus coûteuse. Pour parler d'outcome, je vous rappelle ce qu'on entend par Glasgow Outcome Scale. Vous voyez que un Glasgow Outcome Scale de 5, c'est un patient qui se réveille après le traitement comme avant. De 4, c'est un patient qui se réveille après le traitement avec un déficit, mais il reste indépendant. Le 3, déficit mais grave, le patient devient dépendant. 2, déficit sévère ou patient végétatif. 1, c'est un patient qui décède. Nous considérons qu'un Glasgow score est bon que s'il est de valeur 5 ou 4. Tout le reste, c'est mauvais. 3 de 1, c'est mauvais. Alors, je vous demande de regarder ce tableau qui est très important. C'est très important, comme beaucoup de choses. Vous avez ici le pourcentage de mauvais résultats, c'est-à-dire les Glasgow Outcome Score de 3, de 2 et de 1. Regardons un peu les résultats sur les anévrismes rompus, ruptured. Regardons les résultats de cette célèbre publication qui a bouleversé les comportements à l'époque, en 2002, des chirurgiens. Les mauvais résultats dans les anévrismes rompus rapportés par l'étude d'ISAT étaient de 25%. Un patient sur 4 embolisé, attention, on parle des résultats de l'embolisation, 25% avaient un mauvais pronostic. Vous voyez qu'au Clinique Saint-Luc, dans l'hôpital, dans lequel je dirige le service de neurochirurgie, nos embolisateurs sont de très haut niveau, le taux de mauvais résultats était moitié, 11%. Ceci a été publié, bien entendu.
Et ces résultats n'ont pas changé depuis lors, bien entendu, même améliorés, puisque la technologie s'est améliorée. Regardons un peu maintenant les résultats du clipage chirurgical transcrânien sur ces mêmes anévrismes rompus. Et vous constatez, avec horreur, que dans le travail ISAT, les résultats chirurgicaux montraient 36% de mauvais résultats. Alors que dans mon groupe, nous avions, avec les anévrismes rompus, seulement 8% de mauvais résultats. Et donc des résultats finalement, à l'époque, meilleur que l'embolisation qui se faisait dans notre hôpital. Malheureusement, Mais en fait, qu'a souligné ces résultats ISAT ? C'est que dans les années 2000, toute personne qui avait un diplôme de neurochirurgien pensait qu'il savait opérer les anévrismes. Et donc, on a eu toute une série de dégâts dus à des neurochirurgiens sous-entraînés ou non qualifiés pour la chirurgie vasculaire, qui ont créé ce très mauvais score, ce très mauvais résultat qui a fait du mal à la neurochirurgie de façon générale. Mais regardons maintenant les anévrismes non rompus, c'est-à-dire un patient qui vient à votre consultation, il est impeccable, pas de déficit, mais on lui a découvert un anévrisme. Regardons un peu les résultats de l'embolisation sur ces anévrismes non rompus. Publication sur des neurochirurgiens californiens, pardon, pas des neurochirurgiens, des embolisateurs californiens, grand état américain, montre qu'il y a 9% de mauvais résultats avec l'embolisation sur les anévrismes non rompus, c'est-à-dire que 9% des patients qui viennent impeccables à l'embolisation vont se retrouver avec un déficit qui va les rendre dépendants ou végétatifs ou la mort. À Saint-Luc, nos embolisateurs sont encore une fois meilleurs que le groupe neurochirurgie endovasculaire californien, 7,5%. Qu'avons-nous pour les résultats chirurgicaux, donc transcrânien clipage, sur les anévrismes non rompus. Les neurochirurgiens californiens rapportent sur les anévrismes non rompus 22% de mauvais résultats. Dans mon groupe à Saint-Luc, résultats publiés, 1,7% de mauvais résultats. Comment est-ce possible? C'est le sous-entraînement du chirurgien qui croit qu'il peut tout faire parce qu'il a un diplôme de neurochirurgien. Alors, je voudrais aussi souligner les limites de la chirurgie et les limites de l'embolisation, c'est-à-dire, regardons un peu dans le follow-up du traitement, le taux de recanalisation, le taux de ressaignement, la quantité de rayons que reçoit le malade, les complications liées au traitement que reçoivent les malades en post-opératoire et le coût. Pour l'embolisation, si l'embolisation est complète, il y a jusqu'à 25% de recanalisation. Si l'embolisation, near complete occlusion, si l'embolisation n'a pas été complète, il y a une recanalisation jusqu'à 50% des cas. Le taux de ressaignement à cause de ça, de near complete occlusion, est de l'ordre de 3%. Vous savez que c'est un traitement qui se fait sous rayon. Donc, régulièrement, les patients vont recevoir une quantité de rayons qui va être équivalente à 1000 radiographies de thorax. 1000.
Personne ne dit ça aux patients. Mais de nouveau, heureusement que les techniques s'améliorent. Hein, mais alors, le risque des traitements anti-agrégants, c'est les hémorragies post-traitement. Alors, le coût, vous savez que c'est des milliers d'euros. Et parfois, ça dépasse 15 000 euros. Voici les limites du traitement chirurgical dans le post-opératoire. Taux de recanalisation très faible, taux de ressaignement très faible, pas de rayon, pas de Plavix et un coût qui est régulièrement plus bas par rapport à l'embolisation. Maintenant, nous allons parler spécifiquement des anévrismes sylviens, middle cerebral artery aneurysm. Chose importante, j'attire votre attention sur cette diapositive parce que dans beaucoup d'endroits, il y a des gens qui opèrent des anévrismes sylviens sans connaître l'anatomie sylvienne. Et je vais essayer de vous le démontrer. Quel est le pourcentage des anévrismes sylviens qui se trouvent sur la bifurcation? C'est dommage que chacun de ceux qui sont en train d'écouter ne peut pas me mettre un pourcentage sur son nom. Eh bien, la réalité moderne est que les anévrismes sylviens sont sur la bifurcation que seulement dans 36% des cas, une fois sur trois. Regardons les autres localisations. Ils sont sur une trifurcation trois fois sur 100. Ça veut dire qu'ils sont plus ou moins la bifurcation-trifurcation dans 40% des cas. Ce n'est pas la majorité. La majorité des anévrismes sylviens sont sur le segment M1 de l'artère, c'est-à-dire soit sur une branche frontale précoce qui va au cortex, soit sur une temporale précoce qui va vers le lobe temporal. Alors attention à cette branche frontale précoce. Lorsque vous opérez un anévrisme sylvien sur le segment M1, au départ d'une branche frontale précoce qui va vers l'aire de Broca, vous vous exposez à des problèmes. Alors les anévrismes plus rares sont les anévrismes lenticulostriés et les anévrismes à distance de la bifurcation-trifurcation. Vous observez donc que la majorité des anévrismes sylviens sont des anévrismes sur le segment M1 et pas sur la bifurcation ou trifurcation sylvienne. Nous devons rendre hommage à notre maître à tous qui l'avait souligné, le professeur Yazargui, qui parlait de faux early bifurcation aneurysm. Ceci est un false early bifurcation aneurysm. Ce n'est pas une anévrisme de la bifurcation, c'est un anévrisme sur le segment M1 sur une branche frontale précoce. Ceci est un abord ptérional gauche. Vous avez la carotide interne, vous avez ici, vous reconnaissez le nerf optique, vous avez cranial nerve 2, vous avez ici la bifurcation carotidienne gauche qui donne l'artère cérébrale antérieure droite et vous avez l'artère cérébrale moyenne, le segment M1 qui va de la bifurcation carotidienne jusqu'à la bifurcation ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez ce qu'on appelle une early frontal branch, EFB, qui va donc vers la partie inférieure et antérieure du lobe frontal, si on est à gauche, plus ou moins dans l'aire de Broca, la Brodmann area 44 et 45. Ce qui est très important à souligner, c'est que sur le segment initial de cette early frontal branch, vous voyez le départ de lenticulostrié qui vont vers l'espace perforé antérieur et donc souvent vers le bras postérieur de la capsule interne, c'est-à-dire vers la voie pyramidale, c'est-à-dire un risque d'hémiplégie.
La présence de lenticulo strié sur le segment initial de la EFB est très fréquente. 80% de présence de lenticulo. Donc, si vous avez un anévrisme ici, vous allez devoir disséquer l'anévrisme des lenticulos striés si vous voulez avoir un patient qui se réveille impeccablement. Qui parle des lenticulos striés parle de ce sujet passionnant des central arteries, c'est-à-dire de ces petites artères millimétriques qui pénètrent à la base du cerveau l'encéphale. On distingue deux groupes, le groupe antérieur et le groupe postérieur. Le groupe antérieur et le groupe postérieur. Le groupe postérieur démarre essentiellement à partir des segments P1 des deux cérébrales postérieures. Mais ici, nous sommes intéressés par le groupe antérieur. Le groupe antérieur, les premières perforantes vont partir d'un groupe central, c'est-à-dire de la communicante postérieure et de l'artère coronienne antérieure. Puis nous avons le groupe latéral, qui est le groupe lenticulostrié, qui démarre du segment M1, qui nous intéresse tout particulièrement. Puis nous avons un groupe dans le groupe antérieur, le groupe médial, où se trouve une vedette que vous voyez ici partir de cette jonction A1 A2, qui est l'artère récurrente ou la longue artère de Hubner, qui a un trajet récurrent et qui va rentrer dans l'espace perforé antérieur. Vous avez ici une résonance magnétique à 7 Tesla qui vous montre le nombre de ces artères centrales antérieures partant ici d'une communicante postérieure probablement, ici du segment A1, ici du segment M1, et vous voyez la proximité et des petites artères lenticulostriées qui partent d'une early frontal branch. Mais ça, on voit cela avec les résonances magnétiques à 7 Tesla. Et il faut souligner que, par exemple, vient d'être installée dans une université belge une résonance à 7 Tesla. Malheureusement, c'est seulement dans une université belge. Vous voyez maintenant la base du cerveau et vous voyez que d'abord, alors définissons l'espace antérieur, anterior perforated substance, qui se trouve au sommet de la bifurcation carotidienne et dans laquelle va rentrer des perforantes partant de la communicante postérieure, des perforantes partant de l'artère choroïdienne antérieure et des perforantes qui viennent tantôt de l'artère cérébrale antérieure, on ne les voit pas. Mais ici, vous voyez le nombre de perforants qui partent du segment M1 dans l'espace perforé antérieur qui se trouve latéralement au chiasma. Vous voyez par exemple que l'artère choroïdienne antérieure que vous devez absolument respecter dans ces chirurgies va longer le tractus optique, donner des vaisseaux tractus optique, donc risque d'hémianopsie, à l'incus, va donner des branches au lateral geniculate body, si vous atteignez ça, de nouveaux problèmes visuels potentiels, et va donner enfin une branche au plexus choroïde. Vous voyez ici l'artère communicante postérieure en position chirurgicale. Je suis chirurgien, j'opère en position chirurgicale. Et l'artère choroïdienne antérieure qui file après avoir longé le tractus optique, l'incus, le latéral geniculate body qui va vers le plexus choroïde. Vous avez ici l'espace perforé postérieur qui se trouve derrière les corps mammilaires, entre l'origine ou au-dessus l'origine des nerfs oculomoteurs communs. Et vous voyez ici de façon importante la distribution de ces perforantes. C'est une distribution simplifiée pour des raisons didactiques. Vous voyez que l'artère choroïdienne antérieure va essentiellement irriguer le bras postérieur de la capsule interne et donc la voie pyramidale.
cortico-spinale, que le groupe M1 va irriguer la partie plus latérale, c'est-à-dire le noyau lenticulaire, que le groupe A1 va irriguer la partie plus médiale et antérieure, noyau codé, et que le groupe postérieur va s'intéresser surtout à la partie postérieure du thalamus. Vous avez compris que les anévrismes, Sylvia, dans 39% des cas, sont des anévrismes du segment M1 au contact d'une early frontal branch. Ce sont les anévrismes, Sylvia, les plus difficiles. Dans mon expérience personnelle, de la chirurgie des anévrismes non rompus, le seul mauvais cas, c'est-à-dire un Glasgow Outcome Score 2-3, c'est-à-dire un patient qui s'est réveillé avec un déficit suffisamment important qu'il a perdu son indépendance, il est devenu dépendant de sa famille, c'était un anévrisme non rompu situé sur le segment M1 gauche sur une early frontal branch. Et je vais vous montrer la difficulté de ces anévrismes. Alors, pourquoi annoncer que les anévrismes sylviens sont en général plus des anévrismes chirurgicaux qu'endovasculaires? Eh bien, c'est un très beau travail qui a été publié en 2013 dans Acta Neurochirurgica par Abla et collaborateurs. Et voici ce qu'ils ont rapporté sur la technique endovasculaire des anévrismes sylviens. Le résultat. Le groupe ABLA, c'est une grande équipe américaine qui a pignon sur rue et qui porte les techniques endovasculaires aux États-Unis. Le résultat qui ici est donné en termes de complications. Donc, si vous voulez présenter une technique dont vous êtes fier, vous devez toujours présenter vos résultats et à prédire aux autres que si vos résultats sont meilleurs, c'est cette technique-là qu'il faut faire. Très bien, cette équipe endovasculaire est très sérieuse. Voilà, elle présente ses résultats. Quels sont les résultats de l'endovasculaire par une grande équipe sur les anévrismes sylviens? Il nous rapporte 20% une fois sur 5 des complications pendant la procédure. Il nous rapporte 6% de patients qui vont mourir pendant la procédure. Il rapporte 44% d'embolisation incomplète. Il rapporte 6% de mortalité par hémorragie post-opératoire malgré le traitement. Et c'est seulement une fois sur 4 que le traitement endovasculaire se passe sans incident et atteint son objectif de complète occlusion. Donc, ces résultats ne permettent pas d'imposer systématiquement l'endovasculaire aux patients qui ont un anévrisme sylvien. La technique endovasculaire ne va être utilisée que théoriquement dans plus ou moins un tiers des cas d'anévrisme sylvien. Ça veut dire que dans la majorité des cas d'anévrisme sylvien, c'est la chirurgie qui a prépondérance. Vous voyez qu'ici, endovasculaire, 12% de mortalité. Alors, je vais tout doucement vers ce que je vous recommande, en tout cas pour ceux qui veulent être des neurochirurgiens vasculaires. Un neurochirurgien vasculaire, c'est quelqu'un qui doit au moins opérer 20 anévrismes par an. Bien entendu, on peut être très bon neurochirurgien vasculaire en opérant que 10 anévrismes par an, si par exemple vous me dites que vous faites aussi de la chirurgie d'épilepsie. La chirurgie d'épilepsie vous amène régulièrement à faire des dissections vasculaires qui vous entraînent à la chirurgie vasculaire. Donc, vous avez un anévrisme à opérer après discussion pluridisciplinaire. Parce que maintenant, tout anévrisme dans mon groupe est soumis à une réunion pluridisciplinaire où il y a neurochirurgien, neurologue, endovasculaire présent.
quelque chose qui change la chirurgie endovasculaire, c'est bien entendu la préparation et la préparation en 3D. Ici, c'est sur un dextroscope. Si vous avez un dextroscope, vous allez voir le cerveau du patient qui va flotter devant les yeux et vous allez pouvoir faire une chirurgie virtuelle. BrainLab et Medtronic sont maintenant seulement, ceci date de plus de 10 ans, mais Dextroscope est une firme qui a fait faillite, mais le principe de cette chirurgie virtuelle 3D est repris maintenant en particulier par Medtronic et BrainLab. Et vous voyez par exemple que nous avons ici un anévrisme. Alors, c'est quoi comme anévrisme? C'est un anévrisme, s'il vient à gauche, il est où? Bifurcation? Trifurcation? M2? Lenticule ostriée? Early frontal branch? Temporal branch? Eh bien, pour ceux qui ont un peu l'habitude, ceci est un anévrisme early frontal branch. Ensuite, quelle est la base pour réaliser cette chirurgie? L'hypothermie. 33 degrés Celsius, le patient est mis en hypothermie. EEG blood suppression, evoked potential. Le chirurgien doit être un chirurgien neurovasculaire qui va pouvoir faire des abords grâce à la neuronavigation, entre autres, minimalisée. Ça devient de la minimal invasive surgery. On peut se demander où se trouve la limite entre l'endoscopie et la microchirurgie assistée par ordinateur. Vous utilisez des clips de type de ceci, c'est-à-dire où la pince se trouve à l'intérieur du clip. Vous allez utiliser des techniques d'occlusion de l'artère porteuse temporaire. Vous allez utiliser des techniques de remodeling et vous devez être entraîné au management de la rupture intraopératoire. Je présente pour terminer quelques cas pour illustrer mes propos. Le premier cas, à bord Sylvien, à bord pterional gauche. Nous sommes à gauche, nous sommes du côté de l'aire de Broca, nous sommes sur l'hémisphère dominant. Et nous avons affaire à un anévrisme sylvien type early frontal branch, les plus difficiles. Vous voyez, c'est en fait l'anévrisme qu'on a vu précédemment. Early frontal branch, left side. La bifurcation est un peu plus loin. Pardon. Fausse manœuvre. Vous voyez, l'anévrisme qui est ici. Vous voyez la bifurcation sylvienne gauche qui est là. C'est bien donc un anévrisme qui n'est pas la bifurcation. Ça veut dire quoi sur le plan chirurgique? Il va être profond. Vous voyez ici le type de vallée sylvienne que j'ai dû ouvrir. Mais bref, on est sur le limen insulaire. Vous avez là la bifurcation sylvienne, facile d'accès, mais ce n'est pas un anévrisme de la bifurcation. Je vais donc devoir disséquer le lobe insulaire. Et j'arrive sur la early frontal branch. Vous voyez l'anévrisme qui est très vilain, qui est à l'origine du EFB. Que fais-je d'abord? Un clipage temporaire du segment proximal de M1. J'observe malheureusement une rupture au collet de l'anévrisme, entre l'anévrisme et la early frontal branch. Heureusement, ce clip me permet de fermer la brèche sans occlure la EFB. Vous voyez ici les lenticules ostriées qui partent en dessous de l'anévrisme et du segment initial de l'AFB. Vous les voyez partir vers l'espace perforé antérieur du côté gauche. Je vais donc
utiliser ce clip courbe pour mettre ce clip à ras des lenticules striées. C'est une superbe anatomie. C'est de toute beauté. Et je termine le clipage de mon anévrisme. Là, comme vous avez vu, j'avais plus de clip droit parce que j'avais opéré un anévrisme la veille. Et vous voyez que la voie d'abord est minimale. Le volet est un peu grand, mais je suis aidé. Pas de complications, le patient a quitté l'hôpital 4 jours après l'intervention. Un deuxième cas, c'est, ici ça va être un abord ptérional droit. C'est une technique où j'ai réalisé ce qu'on appelle un clip reinforced wrapping. Alors, nous sommes du côté droit. Ouverture de la vallée sylvienne au-dessus de la veine de drainage sylvienne. Vous voyez que ma neuronavigation est active. J'utilise la neuronavigation quasi tout le temps, pour des raisons évidentes. Beaucoup de chirurgiens ne l'aiment pas parce que c'est des ordinateurs dans la salle d'opération, mais j'adore les ordinateurs, ils nous ont transformé la vie, et si on les utilise bien, ils nous apportent plein de bonnes choses. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Je passe en dessous de l'anévrisme pour aller voir le vaisseau porteur. Là, vous avez vu des lenticules striées qui vont filer vers l'espace perforé antérieur droit. Je fais ma dissection et je vais voir le segment M1. Ceci est un anévrisme sylvien droit de la bifurcation. Mais vous voyez sa taille, c'est un anévrisme large qui ne demande qu'une chose, c'est de se rompre. Je passe entre des lenticules striées. Vous voyez le trajet récurrent des lenticules striées. Vous voyez la taille de l'anévrisme. Il est clairement supérieur à 7 mm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi un segment complètement bouché par cholestérol et calcium. Je place un clip temporaire sur le segment distal de l'artère cérébrale du segment M1 et je commence à coaguler le sac anévrismal. Cette partie-là du sac ne se voyait pas en enjeu RMN ni en enjeu KT, forcément complètement thrombosé. En fait, l'anévrisme est 2 fois plus grand que la réalité. Il a une partie thrombosée, calcifiée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le sac anévrismal a fusionné avec une branche. Je connais beaucoup de chirurgiens qui vont coaguler cette branche et la couper. Personnellement, je pense que toutes les parties de votre cerveau ont de l'importance, certains beaucoup plus que d'autres, bien entendu. Et c'est à vous à développer votre expertise pour aller le plus souvent respecter le plus de choses. Alors, comment vais-je faire ici? Je ne parviendrai pas à décoller cette artère du sac anévrismal. Je vais donc d'abord essayer de réduire la taille du sac anévrismal. Je suis à droite, je vous le rappelle. J'essaye de faire de la place pour pouvoir mettre un clip. Je mets un clip, j'aurais pu le mettre un peu plus bas. Mais bref, ce n'est pas parfait. Et je commence en fait à détacher le sommet du sac anévrismal qui va partir avec le vaisseau que je veux respecter, qui est un vaisseau temporal, peu important. Mais si je le respecte, il n'y aura pas d'AVC ischémique temporal post-opératoire. Vous voyez ce très beau sommet de sac. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'aurais été beaucoup plus rapide si j'avais mis mon clip 3 ou 4 mm plus bas. J'aurais pu couper d'un coup le fundus. Là, je dois un peu me démener pour ne pas toucher l'artère que je veux garder. Donc, j'ai libéré cette artère. Je continue à libérer le sac anévrismal. Vous voyez que ça, c'est libéré. Et j'essaye d'explorer ceci en me disant, est-ce que c'est seulement une paroi épaissie ou est-ce que tout le sac est rempli?
Logiquement, je pense que le sac est rempli et je le démontre en utilisant la monopolaire et je vois que je tombe sur une espèce de caillou. Maintenant, je dois terminer ma chirurgie. Je vais placer mes clips. Mais vous voyez, j'ai placé un clip, un nouveau clip. Vous voyez la pulsation. Et vous voyez en fait que c'est un anévrisme dont le collet est très large. Et il n'attend qu'une chose, c'est de récidiver à partir du sac résiduel sous la portion remplie. Et il y a aussi ici un petit résidu. J'aurais pu m'arrêter là. J'ajoute un clip pour réduire encore le sac. J'aurais pu m'arrêter là. Mais c'est là que je décide. C'est un cas que j'ai opéré il y a à peu près 10 ans. J'ai vu le patient il y a quelques mois. Et je décide, patient qui a maintenant 85 ans. Hein. Je l'ai opéré quand il avait 75. Et je place cette gaine pour éviter que le sac ne se reforme. Je retire mon clip temporaire. C'était un clip temporaire qui était dans sa... Je vérifie que ma gaine en dacron, c'est une sorte de tissu que les cardiaques utilisent pour fermer les foramen ovales, ne sténose pas les branches de la trifurcation. En fait, il s'agit d'une trifurcation, si mes souvenirs sont bons. Vous voyez de nouveau les perforantes récurrentes qui vont vers l'espace perforé antérieur en longeant les mains. Fin de chirurgie. Vous voyez le nombre de clips. Le patient, le lendemain de la chirurgie, il avait 75 ans. L'avant-dernier cas, la gestion de la rupture intraopératoire sur un anévrisme rompu. C'est un abord gauche. C'est une femme de 45 ans qui est une collègue, qui est pédiatre, qui a un anévrisme, vous voyez, du segment M1 de nouveau. Dès l'ouverture de la vallée, rupture péropératoire. Je contrôle cette rupture en utilisant un cotonoïde sur le fond que je dois appliquer pendant toute la chirurgie avant que ça ne coagule. Il y a du sang partout. Il faut maîtriser sa dissection et commencer à disséquer le segment M1 dans sa portion proximale. La pression tombe grâce au clipage temporaire. Je retourne sur l'anévrisme. J'observe un anévrisme plus ou moins, ce n'est pas précis. Je mets un clip de sécurité sur le sac anévrismal. Je retire mon clip temporaire et je retourne sur mon anévrisme, que je dissègue des structures. Et vous voyez que mon clip de sécurité est en fait un clip à travers le sac anévrismal. Je remets un nouveau clip temporaire sur un autre segment de M1 afin de ne pas abîmer M1. Je retire mon clip de sécurité. Je remodèle le sac anévrismal en utilisant un bipolaire afin de pouvoir mettre le clip le plus petit de façon la plus précise sur le collet anévrismal. Et je retire, bien entendu, mon clip temporaire, fin de chirurgie, cette collègue qui avait un anévrisme rompu avec un Fischer 3 a retrouvé une activité professionnelle complètement normale. Le grand danger, c'est les ruptures sur les anévrismes non rompus. C'est le malade qui vient à votre consultation. Il est impeccable, pas de déficit, et vous décidez de l'opérer. Et quand vous commencez la chirurgie, l'anévrisme se rompt. Ça, c'est le vrai stress pour le chirurgien vasculaire. Il s'agit, vous avez vu, d'un anévrisme sylvien droit, bifurcation sylvienne droite. Vous le voyez ici. Il est large, large collé, réfuté à l'embolisation. Vous voyez la longueur du collet, longueur du collet. On ne peut pas mettre un petit stent là-dedans. Préparation avec le destroscope
pour avoir l'image dans l'espace de l'anévrisme. Nous allons, je vois que je parle depuis 44 minutes. Il me reste, on va terminer en dessous des 50 minutes cette présentation. Je voulais vous montrer cette dissection d'un vaisseau. Parfois, on peut les disséquer, parfois, on ne peut pas les disséquer. Le grand danger, c'est de faire une rupture de sac. Mais on doit disséquer ce vaisseau de voisinage pour pouvoir clipper ce gros anévrisme. Vous voyez, en fait, je crois que ça ne s'agit pas d'une bifurcation, mais de nouveau d'une trifurcation. Je fais le tour du sac. Attention, malgré le clip temporaire, j'ai rompu mon sac. J'ai essayé de remodeler le sac anévrismal. Ici, je suis avec un saignement minimalisé par mon clip temporaire. Donc, théoriquement, c'est un saignement par reflux. Mais le sac est très épais dans cette région-là. Qu'est-ce que vais-je devoir faire? Je ne parviens pas à fermer la brèche. Pourquoi? Parce qu'elle est au niveau de la partie la plus fragile du sac anévrisme. Je vais donc devoir mettre un clip. C'est un clip de sécurisation. Et je vais essayer de reconstruire mon collet. Vous savez que le collet est très large dans ce cas-ci. Alors attention, je vous ai mis à droite un schéma important qui fait la différence entre les clips fenestrés et les clips non fenestrés et leur façon d'appliquer de la force sur les collets et les sacs anévrismaux. Ce cas m'a permis de prendre totale conscience de cette différence d'application de force des bras des clips. Je crois que mon clip contrôle tout. Je retire le clip temporaire, le clip de sécurité. Et là, j'ai mon hémorragie à plein tube. Ça veut dire que le long clip que j'ai ne ferme pas le sac anévrismal dans sa portion distale. L'assistant a fait une syncope, il n'arrose plus. Enfin, il y a de l'eau qui arrive pour éviter les caillots. L'assistant s'est réveillé. Je retourne mettre un clip temporaire sur M1. Malheureusement, j'essaye de refermer. Bref, qu'est-ce que je vais faire? Je vais replacer mon clip surtout. Là, je vois que je contrôle. Mais je ne suis pas content, et vous, avec ce clip-là, je vais le remplacer par un clip fenestré qui va parfaitement fermer les deux tiers distaux de mon collet anévrismal. Et je termine la fermeture de la portion proximale avec un autre clip. Vous voyez le résultat? Malgré la longueur du clip, j'ai conservé l'artère temporale. C'est une occlusion complète. Dernier cas, un cas de failed coil aneurysme. Vous savez que suite au développement de l'endovasculaire, j'ai publié une classification des failed coil aneurysmes. Je ne vais pas dans le détail. On distingue trois groupes, le type A, le type B, le type C. Le type A, c'est lorsqu'il y a une tentative, mais l'endovasculaire n'a rien laissé. Le type B, c'est lorsqu'il y a un résidu. Et le type C, c'est lorsqu'il y a une complication péropératoire. Je vais vous présenter un anévrisme avec une complication de type C2, c'est-à-dire qu'il y a une extrusion de coil dans le vaisseau porteur importante qui risque la thrombose du vaisseau porteur. Il s'agissait d'un anévrisme sylvien droit. L'endovasculaire pensait pouvoir le faire, il l'embolise, mais il y a une portion du col qui sort de l'anévrisme et qui part dans l'artère sylvienne. Je suis appelé en urgence pour contrôler cette situation, que je vais contrôler en retirant le col de son sac anévrismal. Vous avez ici une ouverture que j'ai faite moi-même en urgence, donc une ouverture peut-être un peu trop petite,
j'écarte à peine la portion, le lobe temporal, je fais une ouverture du sommet du sac anévrismal, tout ça dans le stress d'un patient qui est peut-être en train de faire mi-chémie hémisphérique droite. J'essaye de retirer le coil du sac anévrismal, mais ce coil est déjà, à cause de la thrombose per-coil, très adhérent. Et ça saigne, et ça saigne. Donc, qu'est-ce que je décide ? C'est de mettre ce que j'appelle un clip de sécurité sur l'artère sylvienne, ce que je crois être le collet, et je vais être beaucoup plus énergique, moins de sang. Je vais retirer ici, avec tirant un peu plus, les milliers de coils, les milliers d'euros de coils qui ont été placés dans ce sac anévrismal. Et enfin, la chirurgie va se terminer par une chirurgie classique d'anévrisme sylvien. Heureusement, le patient est rentré chez lui, ni vu ni connu. Il ne s'est absolument pas rendu compte qu'il avait frôlé au moins un déficit grave. Fin de la chirurgie, vous voyez la taille de l'ouverture. Et je conclue. Les anévrismes sylviens sont 2 fois sur 3 des anévrismes chirurgicaux. Mais attention, 1 fois sur 2, ils sont réellement difficiles et nécessitent la présence d'un neurochirurgien vasculaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Poulos, pour cette excellente présentation qui est très, très intéressante, et surtout on a appris beaucoup de choses aujourd'hui concernant cette chirurgie et certains pièges effectivement concernant donc, les fausses bifurcations. Je pense que effectivement il faut une certaine pratique pour maîtriser cette chirurgie, et qu'actuellement avec la dominance de l'endovasculaire, on devient de moins en moins performant. Heureusement, donc dans certaines équipes, il y a toujours un neurochirurgien qui est de notre âge, qui a fait de la chirurgie vasculaire, mais n'empêche que le turnover n'est plus comme avant. C'est-à-dire, tout part pour l'endoscopie. Moi, par rapport à notre service, le deal, c'était de développer donc, le pôle de neurochirurgie, donc de neurosciences, et pour développer la neuroendoscopie, la neurovasculaire et l'endovasculaire, on a dû donner des patients au neuroradiologue. Heureusement, on a une formidable équipe. On se considère en une équipe, il n'y a pas de bagarre. C'est amical. Et les discussions, comme vous le dites, des staffs entre neuroradiologues, neurologues, neurochirurgiens, ensemble, étudiés cas par cas, et vraiment on se bagarre pas, on dit est-ce que on va pour l'embolisation ou la chirurgie. Et je pense que ça doit être comme ça, de discuter au cas par cas et avoir une bonne équipe qui s'entend, donc tout le monde est gagnant, le malade est gagnant et les deux équipes sont gagnantes. Je voudrais en profiter pour saluer deux autres grands amis, le professeur Bouyoussef et le professeur Ouamou. Yes. Bonjour à tous les deux là, merci de votre présence aussi. Bonjour Christian. Salut. Tout va bien ? Jusqu'à présent. Écoute, tant que j'ai la parole, je voudrais vraiment, vraiment te féliciter parce que ça fait des années qu'on mène un même combat et ça fait très plaisir de voir que tu continues, et moi de mon côté également, parce que les neurochirurgiens sont en train de subir ces dernières années le diktat des endovasculaires. J'utilise exprès ce mot parce que quand vous assistez à certaines conférences,
il y a des gens qui viennent vous imposer. Et la dernière fois, à la réunion de la société marocaine, on a eu une discussion très violente avec un endovasculaire. Et je refuse personnellement le diktat des endovasculaires. Bien sûr, comme vous l'avez dit, mon cher collègue, il faut une discussion pluridisciplinaire. Nous avons un RCP, une rencontre multidisciplinaire en vasculaire. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que les neurochirurgiens, dans quelques années, ne sauront plus faire de la microchirurgie vasculaire. Et ça, c'est très grave, parce que la neurochirurgie, c'est de la microchirurgie d'abord. Et la microchirurgie vasculaire, c'est de la neurochirurgie pure. Les cas où l'endoscopie est sans discussion ont été dits tout à l'heure par Christian dans le système basilaire, etc., ou quelques cas très, très spécifiques. Mais il a été prouvé par Christian qu'à long terme, la chirurgie est meilleure, les coûts sont meilleurs, les résultats sont meilleurs. Je ne suis pas là pour dire que la chirurgie est à tous les cas, dans tous les cas supérieure à l'endovasculaire, mais arrêtons de subir parce que je veux que les jeunes neurochirurgiens apprennent à faire de la chirurgie vasculaire et ça n'est pas en faisant un anévrisme par an qu'on va devenir un chirurgien vasculaire. Voilà, merci. Je te salue, Christian. Salut, Abdallah. C'est un plaisir de t'entendre et de te revoir. Merci beaucoup. Moi de même. Pourtant, je vois que tout le monde reste jeune, ça fait plaisir. Oui. On tient le cap, mon ami, on tient le cap. Merci en tout cas, c'est très bien. Et bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Saïd, je voudrais faire un petit commentaire. En même temps, je voudrais poser aussi une question à Christian. Je ne sais pas s'il subit. Ils doivent certainement subir la même pression par les patients aussi. Parce que le grand problème, en fait, je te remercie de continuer à défendre quand même la neurochirurgie. Nous, dans notre équipe, on a pareil un neuroradiologue extrêmement bien entraîné, pour ne pas dire un des deux, enfin, parmi les trois endovasculaires. On est un service référent aujourd'hui au Maroc par rapport à l'embolisation. Et très souvent, on a des patients qui sont carrément envoyés directement au neuroradiologue, l'embolisateur. Et puis, bon, bah, j'ai dû batailler. C'est une bataille au quotidien avec mes assistants pour que le patient soit vu d'abord par le neurochirurgien, ensuite qu'on puisse discuter du cas clinique, qu'on puisse... Alors, très souvent, on est... J'ai pu instaurer tout ça avec beaucoup de difficultés, avec les réanimateurs qui nous ont suivis. Donc aujourd'hui, il y en a carrément un groupe WhatsApp. Donc dès que le malade arrive, tout le monde est alerté et donc tout le monde va le voir. Mais quand vous avez le problème qui se pose, pas que chez nous aujourd'hui, hein, partout dans le monde, c'est que vous avez des gens vous avez des neurochirurgiens, encore une fois, qui n'ont pas l'habitude de faire de la chirurgie vasculaire. Et puis d'emblée, ils parlent à leurs patients. Et encore une fois, sans faire de différence entre quel type de localisation, d'embolisation. Quand le patient arrive, il arrive avec une idée déjà préconçue. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez lui dire qu'il va vous emboliser. Vous avez 99% de risque qui vous tue. Et je vais vous opérer et vous avez peut-être 5 à 10% de complications. Et bien, il va quand même dire, je vais me faire emboliser. Et là, ça nous casse un peu la machine qu'on essaye au quotidien d'établir. Après, bon, ben, on se retrouve avec des statistiques faussées. Des Sylviens, moi, quand je dis à toute l'équipe, les Sylviens, personne ne touche. On les voit, il faut les opérer. Après, on se retrouve avec... Et ça, je pense que vous devez le vivre. En tout cas, dans mon équipe, on le vit difficilement parce qu'après, bon, ben, au bout d'un moment, on se dit, il y a la marre de continuer à batailler. Mais après, finalement, c'est le patient, c'est la décision du patient. C'est lui qui décide en fin de compte. Est-ce qu'on est capable de dire au patient, puisque notre staff a décidé que ce soit telle décision, donc si vous n'adhérez pas à ça, vous partez. Éthiquement parlant, est-ce qu'on est en droit de le faire ou pas? Donc, ça, c'est un problème qu'on vit au quotidien et que je pense que vous devez le vivre aussi parce qu'aujourd'hui, avec Google et avec l'informatique, à l'ère de cette informatique extraordinaire, personne ne veut s'ouvrir la tête. Il ne
faut pas oublier que récemment, c'est carrément un neurochirurgien qui me dit, si moi j'ai un aneurysme, il faut croire que personne ne me touchera, je veux être embolisée. Donc, question pas. Ce que tu viens de dire, Najla, est tout à fait correct et nous vivons tout ça. La seule chance, c'est que j'ai pu développer en Belgique, nous sommes devenus le premier centre référent de la chirurgie anévrismale. Pourquoi ? Parce que j'étais un des tout premiers à défendre l'embolisation quand je suis arrivé dans mon hôpital. Et je remercie les avocats parce qu'il y a eu un ou deux procès dans lesquels j'ai dû intervenir et qui fait que nous avons, comme tu l'as dit, que tu essayes de faire au quotidien dans ton hôpital, c'est nous avons, j'ai imposé que tout patient avec une malformation vasculaire soit soumis à une commission pluridisciplinaire. Et si un anévrisme était envoyé à un endovasculaire et que cet endovasculaire avait une complication, je refusais que mon équipe prenne en charge la complication et devait se démerder. C'est arrivé une fois. On a eu de gros problèmes médico-légaux et ça a permis d'allumer les lumières nécessaires qui font que maintenant, un endovasculaire ou un neurochirurgien ne traite pas un anévrisme qui n'ait pas été discuté par un groupe pluridisciplinaire. Et heureusement, comme les avocats tournent de plus en plus autour des hôpitaux et surtout des disciplines chirurgicales, là où c'est plus facile de montrer la faute, tout le monde se calme et tout le monde essaie de se protéger en donnant un rapport de commission pluridisciplinaire où tous ensemble on dit en première position la chirurgie ou en première position l'endovasculaire. Et je peux te dire que comme ça, on vit beaucoup plus agréablement. Mais on est passé par un moment difficile. Je pense qu'on va devoir y passer aussi, hein, parce qu'effectivement, tu as raison, ça va se terminer comme ça. Hein, en fait, il faudra arriver à un moment donné où c'est difficile de dire, hein, quand tu as une rupture anévrismale au cours d'une embolisation, de dire « Ah non, je ne prends pas en charge le patient. » Très difficile, déontologie. Sauf si on l'a dit avant, avec un endovasculaire qui refuse de faire du pluridisciplinaire. Bien entendu, c'est des menaces. Hein. Maintenant, il commence à se protéger. Mais le problème, c'est le patient. Le patient, il te dit, moi, je ne veux pas être opéré, je veux être embolisé. On l'écrit dans la lettre. On l'écrit. On a des patients comme ça qui ont dit, madame, monsieur, la chirurgie vous offre moins de complications, plus de sécurité. Ah non, 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 je préfère qu'une embolisation. On l'écrit dans le dossier et de temps à autre, ils nous reviennent. Ah, j'aurais dû prendre la chirurgie finalement. Bref. De toute façon, dans notre institution, on fait signer un rapport, enfin, une décharge obligatoire. Donc, de ce côté-là, on est plus ou moins protégé. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même frustrant pour nous, les chirurgiens, quand on voit que même les patients ne nous aident pas dans cette bataille. Moi je voudrais dire un mot. Je pense que les malades ne sont plus bien informés par les gens qui les voient. Je pense que si on dit aux malades de faire le choix sur les différentes possibilités post-opératoires, sur les complications, si on explique bien aux malades les complications à long terme, je pense qu'ils vont réfléchir et plutôt se diriger vers la chirurgie. Certains radiologues, certains interventionnalistes ne disent pas toute la vérité. Je suis navré de le dire, mais ils ne disent pas la vérité, toute la vérité aux malades. Ils ne disent pas que les complications qui se déroulent, etc., et qu'à long terme, c'est mieux de faire la chirurgie, etc. Je pense que le malade a droit à toutes ces informations avant de prendre une décision. Si on lui dit tout, il réfléchira plus et prendra des décisions souvent différentes. Voilà. Sans trop polémiquer, Seherdine, honnêtement, aujourd'hui, on est, comme je t'ai dit, j'ai instauré aujourd'hui une concertation multidisciplinaire, c'est-à-dire que le malade ne doit pas être vu par le neuroradiologue, il est vu d'abord par le neurochirurgien, ensuite discuter avec le neuroradiologue et en présence du neurochirurgien, c'est-à-dire pour justement contrôler ce que va dire le neuroradiologue.
Est-ce qu'il ne va pas lui dire que je vous embolise sans parler des complications? Donc, le neurochirurgien est là pour dire aussi, il y a tant de complications pour cette technique, tant de complications pour ça. Voilà, voilà la meilleure technique pour ça. Malgré ça, je vous assure, qui sont là, hein, les gens sont, je ne sais pas, pour eux, il y a le dogme, comme je disais tout à l'heure, d'ouvrir son crâne. Et je peux vous assurer, comme disait Christian tout à l'heure, si on faisait un petit sondage aujourd'hui en demandant à des neurochirurgiens, hein, qui sont quand même du métier, même des chirurgiens, qu'est-ce que vous préférez, une embolisation? Dans des cas où l'embolisation viendrait en second plan, hein, je ne parle pas de cas où on est sur une embolisation en seconde. Eh ben, je vous assure que vous serez étonnés du résultat. Hein. Parce que j'ai essayé de le faire sur une vingtaine de patients. Eh ben, je vous assure que... Et j'insiste, et en mettant parfois même un petit peu... J'augmente un peu les risques de l'autre côté pour voir si rien à faire. Quand ils viennent avec une décision, et tu connais mon pouvoir pour convaincre les gens. Oh, donc, oui. Et je te promets qu'il y en a pas mal encore aujourd'hui, on n'arrive absolument pas à enlever la première idée qui a été scotchée dans son cerveau. Il y a aussi des neurochirurgiens qui sont très mal informés. Je voudrais vous poser la question à notre collègue Tahar, qui a eu la gentillesse de nous réunir cette fin d'après-midi, cette nuit pour lui. Quand a lieu le prochain congrès à La Réunion? Ben donc je suis en train de réfléchir à faire effectivement un congrès à La Réunion. Et voilà, c'est une bonne question. Donc, ça serait l'occasion de réfléchir. Et vous serez les bienvenus. Vraiment, parce que les ordinateurs, c'est bien, mais on en a un peu marre. Hein. Oui. Ça serait bien. Ben donc, on pourra en discuter pour ça. Organiser. Surtout si c'est suivi d'une partie de pêche. Oui, donc il y a de la pêche, il y a la nature. L'île de La Réunion, c'est une très belle île. Oui, à côté, il y a d'autres îles, Madagascar, Mayotte. Mayotte, je connais bien. Et Maurice. Voilà. Il était question d'une réunion à la Réunion, justement, récemment, non? Non, donc c'était un projet de... C'était la France, la société française qui devait faire une réunion à la Réunion, justement. Enfin, non, ce qu'on avait surtout, c'était un projet de neuroanatomie donc, que je fais avec l'équipe d'Alicante. On devait le faire à La Réunion et Madagascar pour aider les jeunes neurochirurgiens, surtout de Madagascar, avec une idée de faire, comme vous avez fait, chaque professeur parraine un neurochirurgien malgache pour qu'il aille en tant que fellow chez eux et revenir à Madagascar. Voilà, donc c'est malheureusement donc le Covid est venu et donc on n'a pas pu le faire. Mais donc vous êtes le bienvenu à l'île de La Réunion et on va réfléchir bientôt à un congrès à La Réunion de neurochirurgie. Donc, si tu permets, c'est Tahar, il y a un petit message à passer. Actuellement, docteur Dalkawi, tu es là? Peut-être il faudra parler à nos amis du workshop qui va avoir lieu justement, comme ce qu'il vient de montrer, comme Christian a montré, toutes les simulations vasculaires, etc. Et donc, il y a une équipe italienne avec un laboratoire de simulation qui a opté. Tu es là, en fait? Donc, je connais le... Oui, voilà. Donc, je ne l'ai pas fait d'accessible. Le Maroc a été retenu en juillet, le 15 juillet. Donc, ça va être une journée de workshop sur justement ils vont venir. Ça va être la première fois physiquement, on va se rencontrer. Une personne va venir, mais j'espère que d'ici là, on va pouvoir nous les laisser rentrer. Et donc, pour les jeunes, ça serait vraiment intéressant d'y assister. Je t'enverrai les liens éventuellement. D'accord. Voilà, donc je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas d'autres questions apparemment dans le groupe de discussion. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous les participants et à bientôt à La Réunion.
Merci, professeur. Salut à tous. Antopoulos. C'était un plaisir de voir, de vous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Sétara. Et très, très bon, et très bon séjour au Maroc. Vous savez merci qu'il, beaucoup. Est, qu'il est connecté à partir de Casa aujourd'hui? Oui, de Casablanca. Oui. Ah non, non, je le dis à l'assistance, parce que ah, oui, d'accord. Je crois. Donc, oui. Bravo pour ce que tu fais et bonne continuation. Et en oui, tout cas, merci, merci de nous avoir permis quand même de voir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Christian, l'autre, bonjour à toi. Merci beaucoup. John, merci. Au revoir. OK, merci thank beaucoup. You, thank you thank for you. Your collaboration. Thank you, Dr. Abadi, Christian, Adrian, and Saeed for putting this together. And yes. Saeed, do we have one in a couple of weeks? Yes. We have on July. Pour le passé, donc, on fait le C, contrôle C, puis contrôle V. Okay, well, excuse me, Saeed. When's it going to be, Saeed? Yes, we have in July. 10 July, Professor Regis from Latimon, who was, will talk about radiosurgery and AVM. Oh, very good. Okay, thank you, everybody. Thank you very much. Have a great Saturday. Thank Bye-bye. You. Thank you. Bye-bye.